king and his men stole the queen from her bed and bound her in her boat. The seas be ours and by the powers tout le monde. Bonsoir, merci Luxoria pour le sub offert, pour le resub, merci. Le retour de Santito. Ça va ou quoi les frères? Ça enchaîne avec ça? Jure. Ça va ou quoi le chat? Ça fait longtemps que j'ai pas live. Ça fait quoi, 2 semaines et quelques? Merci Luxoria, merci. Yo Arnaud, yo JL Kader, yo Aaron, yo Maxime 41. Ça va ou quoi? Comment il est? Inel, comment il est? Ça va? Allez, stop délire pirate là. En fait, j'ai mis ça parce que c'est le perso à Tanaka qui m'a fait penser à ça. À chaque fois qu'on va à l'unicorn, il dit ouais, le repère des pirates et tout et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais mettre une petite musique pirate. Attendez, on va enchaîner sur ça. Non, ça va ou quoi? Yo Lucie, yo Lucifer. Ah, la transition. On va aller à l'entrepôt et on va sortir une petite voiture. Bon, j'ai rien prévu là. On va voir. Enfin, rien prévu.
moi personnellement, mais après mon personnage, il a toujours des trucs à faire, vous voyez ce que je veux dire? J'ai un rendez-vous là. Après, j'ai vu que l'unicorne allait au vert, on va aller voir les Yakuza, on va les faire chier un peu, tu vois. Et on va faire des petites tenues aussi, on va changer un peu de style, je pense. Je sais pas comment, mais... Faut rester un peu dans le délire latino, mais on verra bien ce qu'on peut mettre. Hein. Ouais, ça va tranquille, ça va, vous m'entendez bien? Non, je forçais un peu le son du jeu, j'avais baissé. Voilà. Ah, accélérer un petit peu. Yo Alex Rider, ça vaut quoi? J'ai un peu la toux, hein, excusez-moi, hein, j'ai dit en créole. J'ai un peu la toux là. Mais c'est rien. C'est passager. Une toux passagère. Ah nickel. Super alors. Oh, je vais me lâcher un petit peu, hein, on va faire un peu de merde. Enfin, de la bonne merde, tu vois. Pas de la mauvaise merde. Putain, what the fuck? Voilà, c'est ça, t'as tout compris, Alex, t'as tout compris. D'ailleurs, attends, j'ai reçu un message tout à l'heure. Attends, Yves. Je l'appelle. Que pasa, chico? Que pasa? Pourquoi tu m'appelles après tu réponds pas? Yo, Lazy, ça va ou quoi, frérot? Lazy, on te kiffe tous ici, Lazy. On te kiffe tous. Comme tu es. Mais il répond pas, mais c'est pas possible, attends. Il a mis son téléphone sur vibreur. Voilà. Allez, on va se rendre à l'entrepôt. L'entrepôt. Et on va... On va prendre nos véhicules. Un véhicule, hein, en vrai. Je vais prendre mon... Un quoi que, attends. L'assurance. Si je passe par là, vous pensez que j'arrive à aller à l'assurance? Je m'arrête là. On va essayer. Tente rien à rien, comme on dit. Comme ça, je vais aller à l'assurance. Je fais sortir une voiture directement. Flamme d'aller, de rouler, de marcher à pied, là on y va en bateau. Hein. Bon, j'espère que j'aurai pas de bugs ce soir parce que ces derniers temps, si j'ai pas live, les gars, j'avais trop de bugs. Oh putain. Mais après, j'ai réglé en fait, fallait régler un espèce de truc là. Fallait régler ça. Merci Sky. Fallait régler ça. Attendez, je vous montre. Un espèce de truc là, attends. Ça, extend texture budget, je sais pas quoi. Et moi, le mien, il était tout en bas, tu vois. Et du coup, j'avais des mappings. Enfin, je voyais la map, je voyais pas en fait. Des bugs de mapping. J'espère que j'aurai plus de bugs, parce que là, sinon, on rip ma vie. On va voir si on peut passer par là. J'espère. Si c'est pas trop... Oh putain, on commence bien déjà. C'est un peu bas par contre, hein. On va voir, hein. C'est RP, non? Ça va. Jusque là. Donc il y a de l'eau. Ça secoue un peu. Il faut que j'arrête de regarder mon chat. Ça y est, je live pas pendant 2 semaines. Je perds mes moyens là, attends. Là. Hop là. Mais qu'est-ce que je fais, putain? Bien conduit. Attends. On peut pousser ça? À
Allez, tourne. Attends. Allô? Allô, ça va, Santito? Ouais, ça va. Je suis un peu... Enfin, je suis un peu dans la merde, là. Enfin, c'est le cas de le dire. Non, ah, mais... Tu veux que je viens t'aider? Non, mais ça va, je suis à côté de l'assurance, là. Tu vois, je suis un peu trompé, mais ça va. Dis-moi si tu veux que je viens t'aider. Je suis à côté de l'assurance, mais j'ai mon bateau qui s'est échoué. Un bateau à côté de l'assurance? Mais y'a pas de mer à côté de l'assurance. Pose pas de questions. Y'a un petit... Comment on dit ça? Un petit truc d'eau, un là. Petit ruisseau. Voilà, un ruisseau. Ah, les canals d'eau, là. Et j'ai voulu venir en bateau, sauf que c'était pas une bonne idée. Bah ouais, c'est vraiment pas une bonne idée. Ça. Là, je veux sortir, là, je vais aller à pied, hein, je pense. Hein. Tu voulais me parler? Ouais, si tu veux, je viens de... Ouais, j'aimerais bien te parler. Bah vas-y, rendez-vous à l'assurance, alors. Vas-y. Allez, vas-y. Allez. Ouais. Pourquoi il m'appelle, lui? D'où on est potes? Par contre, tu n'as un bug, là, non? Ah, là, c'est bon. Oh putain de merde. Ils vont trouver un bateau là, ils vont se dire what the fuck. Est-ce que j'arrive à monter ici? Bonne question. Attends, c'est pas les quartiers chauds ici? Y'a pas un truc ici là? Ouais, je me disais hein. Ça va, c'est ici. Ça, c'est stylé le laser là, putain. Je re-apprécie là, je re-apprécie. En Dark Side, reste à l'affût, hein, parce que des fois, quand il se passe des trucs, il y a des trucs à clipper, tu vois. Reste à l'affût. Après, je dis ça, ça se trouve, il y aura rien à clipper. Et qui ça? On va sortir toujours une voiture, quoi. Okay. J'ai acheté une nouvelle voiture d'ailleurs, attends. En assurance. Ça. Je kiffe vraiment cette voiture. C'est la Raiden, vous voyez. Et moi j'aime bien les Tesla, vous voyez. Et ça m'a fait penser à Tesla. Je l'ai mis comme une Tesla, vous allez voir. Regardez, j'ai mis comme une Tesla. Ça ressemble à une Tesla, hein? Je vous jure, c'est un truc de malade. On dirait une Model S. Je kiffe, moi, ce délire-là. Attends, c'est quoi, ça? Lui, il a une Porsche, lui. Attends. Ça même. Model S. Voilà. Hey, salut, Santito, ça va? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive, tout d'un coup, tu veux me voir? Ça fait longtemps, hein? Ah ouais, ça fait longtemps. Bah ouais, écoute, on pourrait se parler dans un endroit un peu plus discret, parce que là, il y a beaucoup de gens qui peuvent venir quand même. Tu veux me parler de quoi? Bah écoute, là j'ai plus trop d'argent, est-ce que tu... Quoi? Bah ouais, depuis que mon frère il est mort, tu vois, j'ai besoin d'argent un peu. Ah mais tu te fous de ma gueule? Je pourrais travailler avec toi, pour toi. Écoute, on a fait des erreurs, c'est bon, on peut repartir à zéro s'il te plaît. Toi, attends, tu veux travailler avec moi toi? Ouais. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin. Toi qui étais dans le cul de ton frère, tout. Écoute, mais je t'ai dit, on fait tous des erreurs, s'il te plaît, là. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, mais tu sais que ton frère, là, de là-haut, là, il veut te niquer, hein. Mais non, même pas, t'inquiète. S'il te voit, là, il dit, putain, regarde-moi ce connard, regarde-moi, je suis mort, et il vient... Écoute, t'inquiète pas. Écoute, moi, juste, j'ai besoin un peu d'argent, et... Ouais. Et on peut redevenir potes, pas vrai? Parce que là, j'ai besoin d'argent. Ouais. Tu veux faire quoi pour avoir de l'argent? Je sais pas, je veux travailler avec toi. Tu vends des armes? Bah, je vais vendre des armes pour toi. Non, moi, ils donnent pas d'armes pour vendre. Hein. Après, si tu veux... Si tu veux... On peut faire des braquages, à la rigueur, des trucs du genre. Ouais, je veux bien. Dis-moi dès que t'as des trucs, quoi. Ouais, on peut faire le braquage, si tu veux. Et parce que ton frère serait tellement content de voir qu'on refait à se faire ensemble, hein.
Bah ouais, il serait heureux, mais bah, bon, il pourra pas le voir, tu vois, du coup. Malheureusement, il pourra pas, c'est... Et non, tu digères comment la mort de ton frère, ça va? Tu t'en sors bien? Écoute, c'est compliqué, hein, mais on fait avec. Avec? C'est pour ça, là, je parle à plus personne, faut que je reparle à quelqu'un, tu vois, et... De toute façon, je m'excuse de tout ce qui s'est passé. T'inquiète, hein. Ouais. Tu vois, là, je me suis fait discret parce que je suis encore recherché, mais là, t'inquiète pas, plus personne me reconnaît maintenant. Ouais, mais là, toi, dis ça à moi, maintenant, il va falloir le voir avec Joyce. T'inquiète, elle va... Ouais. Elle va pas dire non. Tu l'as appelé? Je l'appelle. Ouais, appelle-la, ouais. D'ailleurs, elle va bien? Elle va bien. Ouais. Tu la demanderas, hein. Vas-y, attends, C'est quoi son numéro encore? Ah, ça commence bien. Non, mais en fait, parce que je l'avais enregistré, mais tu vois, C'est... Alors, attends, on te dit ça. Vas-y. Oh, mais quel con. Attends. 29-77. Merci. Je vais là. Allez. Attends, il me met devant parce que là, si quelqu'un arrive et il me voit pas là, il va faire la voiture et ça va boum et voilà quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oh. Ah ouais, merde, j'ai le boost. Attends. Bon, allez, c'est comme ça. Je kiffe trop, regardez, ça accélère comme moi, attends. Là il va croire que je me barre là, regarde. C'est un truc de ouf. Au Racing... vous savez le circuit là, un jour ça se trouve ça va rouvrir, tu vois. On va pouvoir faire des courses de Darkster. Et on a appris de nos erreurs, c'est bon quoi. Qui ça? Ah d'accord. Ouais, écoute, je m'excuse, j'ai fait des erreurs, vous avez fait des erreurs, maintenant on repart à zéro, ok? Quoi? C'est vraiment fou, hein. Mais là je suis avec Santito, oh là. Il est trop content de me revoir, ça lui dérange. Quoi? Il est trop content là. Mais elle est où? Il est juste devant moi. Là on est à l'assurance là. Non mais dis pas qu'on est copain, hein. Même pas dans la merde. On est des meilleurs potes là, c'est bon. Vas-y, appelle-le. Vas-y. Eh, hey, tu dis qu'on est potes, ok? Parce que là, j'ai pas envie de me retrouver tout le temps seul, là c'est bon. Ok? Attends, elle m'appelle. Vas-y. Allô, chica? Sans tuto, ouais, ça va? Allô, attends. Oh, y'a tout le monde. Attends, je suis au téléphone. Ouais, ça va? Ça va, monsieur? Ouais, t'es vraiment... Toi, bien, hein. Toi, va bien, Toi, va bien. Ouais. Joli néon. T'as bien dormi? Ouais. Moi, t'es vraiment qui, moi? Bah ouais, il est... Moi, je suis Marcus. Tu sais quoi, attends? Il m'éloigne. Non, mais attends. Il m'a appelé? Il vient de me faire un discours chelou, là. Ouais, t'inquiète. Il m'a appelé, il m'a dit, ouais, écoute, je m'excuse, j'ai besoin de... De faire le... Reste. Attends, il me suit. Laisse-moi, je suis au téléphone, c'est une... Ok, c'est bon. Attends. Mais il sait que t'es au téléphone avec moi, par contre. Ouais, mais j'ai pas envie de parler devant lui. Je croyais pas du tout. Ouais, il me dit, ouais, viens, on fait les affaires ensemble comme avant, il s'excuse. Il a plus de travail, il veut faire des trucs avec nous, comme avec son frère et tout. Il a pas compris. Ouais, je vois. Tu le sens comment, toi? Ok. Bah justement, c'est pour ça que je t'ai appelé. Écoute, parce que j'ai trouvé ça bizarre. On va se voir et on va en parler nous trois, je pense, hein. Ok, bah moi je suis au magasin de vêtements là. Ah bah justement j'ai besoin de faire mes tenues aussi. Y arrive. Ouais, vas-y. Ouais, t'inquiète. Vas-y. Ouais, t'inquiète. Force à toi, hein. Ouais. Ah bah ou quoi, Tanaka? Bah ça va bien. C'est quoi ta voiture là? C'est incroyable. Merci. Joli, hein. C'est nouveau le sticker là? Non. Combien de fois je vois? Pas qui est bon.
Mais que tu fais là? Mais je suis venu chercher ma voiture là, là-bas. Ah ok. Ouais. Elle a pas la voiture bleue? Non, la blanche. Bah laquelle voiture bleue? Ah lui là, le casque. Oui je sais, il a pas une tête à conduire ça, je sais. C'est à moi, c'est à moi. Tu mets quoi dans le coffre au-dessus de ta voiture? Quoi? Non lui là, tu mets quoi dans le coffre? Il a la dégaine Playmobil, il achète ça. Ah non mais ça c'est... Mais c'est une voiture de Playmobil aussi hein. Mais non. Ça c'est Porsche hein. Ça c'est une voiture d'homme, c'est les hommes ils ont ces voitures. Moi aussi une voiture d'homme. Elon Musk. Ok, ah t'es sérieux? Attends, ouais. Ça te dit on fait une course? Là dessus? Ouais, bah alors là viens, vas-y. Moi je vais toujours au magasin. Rejoins-moi au magasin. Ok, moi je viens faire la course avec vous. Okay, rendez-vous, ouais. Le magasin de vêtements, ok? Ok, ok. Je vais les fumer. Je vais les fumer. Oh putain, y'a les keufs. Attends, y'a les keufs, y'a les keufs. Attends, mais attends, la question que je me pose c'est... Ah non, non, moi je peux pas avoir des keufs devant moi, moi je me pète, ciao. Attends. Mais la course c'est pas jusqu'à le magasin de vêtements, on va faire course sur ligne droite hein. Jusqu'au magasin de vêtements. Non, jusqu'au magasin de vêtements. Jusqu'au magasin de vêtements. Jusqu'au magasin de vêtements. Le mieux c'est pas de faire course jusqu'à directement ligne droite. Non. Non, t'inquiète, là c'est la rue. Machin. Là on voit vraiment les pilotes, tu vois. Magasin de vêtements, ouais. C'est drift, gauche. Allez, le départ, on se met tous comme ça ici. On voit vraiment le potentiel des voitures. On a une électrique, une japonaise et une allemande. Une Porsche et une voiture moteur central avant. C'est quoi ça? Oui. Oh merde. Ah je vous ai dit, vous voulez faire les couilles avec moi? Écoutez le mien, vous entendez? Vous entendez ou pas? Ouais on entend, vas-y là, fais le départ là, je suis chaud. Mais qui fait le départ? Ok. 3, 2, 1, go. Au revoir les chicos, j'ai une Tesla. Ah non, je suis un bâtard. Ah, non, je suis trop le bâtard. L'électrique toujours les gars, c'est réaliste, je suis RP les gars, parce que... Oh putain, ils sont là. IRL, une Tesla, ça... Départ arrêté, Ferrari et tout, ils sont derrière, non? Voilà. Électrique, hein. Électrique, hein. Il y a pas deuxième. Arrête. Vous avez vu, hein. C'est pas grave. Électrique, hein, c'est toujours le mieux, hein. Ouais, par contre, ton accélération, c'est... Ah bah, c'est Tesla, hein, Chico. Par contre, t'as vu, ma petite voiture, elle fume la tienne, hein. Non. Non, en vrai, oui, j'avoue que sa voiture rouge, là, tu me laisses. Sa voiture, hein. Elle est bien, mais elle me fume pas à la mienne. Ouais. Eh, j'ai entendu dire qu'il y avait des courses de rue ici. Un jour, faudrait qu'on essaye, hein. Viens. Allez. Les enfants, je vais être off radio de 5 petites minutes. Il y a un caravane là-bas. Un truc de. Le star. Écoutez. Ouais. Écoutez. Il y a le gars qui fait les courses, ça y est, il est en ville. Ah ouais? C'est mon contact. Écoutez, il vous fait y a une course ce soir? Non, pas ce soir, mais on peut s'organiser une course. Mais ouais, ça serait trop bien, j'ai une gesteur RR, jamais fait les courses avec. Alors, je vais pas te mentir, bon écoutez. Alors, mon contact, il fait préparation de commandes illégales, change plaque, tout ce que tu veux. Et maintenant, il va organiser course. Ah ouais, il fait la concu à mon collègue en fait. Qui est ton collègue? Le gars là, tu sais, Livio. Lui, il fait préparateur de commandes, de préparateur de voitures. Ouais, il fait de tout, lui. Ah bah, lui, il a un garage. Bah, lui aussi. Ah bah, après ça, je sais pas. Moi, j'ai mon contact, c'est lui qui fait les courses. Ouais, d'accord. Et vous voyez le petit que vous avez dans ma voiture? Ouais. Ah, c'est Nitro. Eh, ouais. Okay. Voilà, ça, on pourra le voir aujourd'hui ou pas, tu penses? Tu veux le raconter maintenant? Bah, aujourd'hui, ouais, pourquoi pas. Non, écoutez-moi, ça, j'ai pas beaucoup de temps. Je serai là demain. Ouais, t'inquiète. Attends, Ojiman, je te rappelle dans deux minutes. À toujours. T'as le numéro de l'audier du Families? Ouais, bah bien sûr. Il t'appelle sur ton téléphone? Bah oui. Vous êtes camarade? Bah non. Ah d'accord. Il est cru. T'as une blessure de guerre, toi. T'as... Allô, c'est un guerrier. T'es dispo quand?
Non, commence pas. Surtout, ne parle pas de guerre avec lui. Un conseil. Il y a des clients. Pourquoi? Parce que... Il y a des coureurs. La guerre des au Japon, tout ça, tu connais. Hein. Ah oui, oui. Bah, tu sais comment ça s'est fini. Hein. Ouais. Faut pas, écoute, faut pas écoute, parler de ça. Moi, la sort, je suis très fatigué. J'ai pas, t'as d'arrêt, mais tu réfléchis à ce que je t'ai dit, ok? T'inquiète. Il a réfléchi. Pas le bâtard, ok? Non, t'inquiète. Moi, il a réfléchi toujours la proposition. Vas-y, attends, Tito. Moi, tu me dis quoi en message, ok? Vas-y, il t'a dit quoi? Attends, t'as mon numéro. Il t'a dit quoi en message, hein, c'est ça? Et tu dis à Joyce aussi de réfléchir, ok? T'inquiète. Allez. Allez, hé, toi. Quoi? C'est quoi? Va te faire reculer, je veux pas travailler avec toi. Mais tu me dis, dis quoi? Non, je regarde. Non, mais non, mais enfin. Tu me dis quoi en message, t'as dit? Mais j'ai dit quoi? Ah, d'accord. Vas-y, champion. Vas-y. 15-20 minutes, c'est bon, carré. Me dis pas les nouvelles, hein. Non, c'est pas possible. Pep, son Tito, viens voir. Ah, Pep, viens voir. On dirait Cléa. Viens. Arrête de mater les filles. J'ai rien maté, là. Travaille avec toi. Non. Il cherche, en fait, je t'explique. Non, il y a rien eu là. Il cherche juste à avoir le travail parce qu'il me fait de la peine. Et il a dit, il faisait de la peine, il a dit. Ah, il veut travailler à l'EMS? Non, il a dit qu'il veut travailler dans un truc. Pas quoi. Me dis pas que tu vas recruter des stagiaires dans. Non, vraiment. Non, jamais. J'ai dit que j'étais indépendant. Mais moi, il lui a dit si je vais essayer de trouver du travail pour lui. J'ai pas dit que j'allais prendre le travail. Ah, ça, tu m'as fait peur. T'es fou quoi, je suis indépendant moi. Non, j'ai eu peur que j'allais me retrouver avec un stagiaire Playmobil pendant des. Non. Après toi tu peux l'appeler en stage si tu veux. Ah non. Ouais. T'avais comment il conduit ou pas? Ah ouais. Elle est partie dans le décor 3 fois. Pourquoi il veut avoir le travail alors qu'il est en Porsche? Pense pas de question, t'auras pas de réponse sûrement. Ouais. Bon allons à l'intérieur, y'a du... Y'a Joyce? Je crois, ouais, elle m'a dit qu'elle était dedans. Ah ouais. 15-20 minutes, on a rendez-vous. Hola. Hola, ça va? Yo. Ça va, c'est à toi le minibus? Oh, c'est un truc de travail. C'est stylé, hein? Ouais, ça a de la lui, gueule. Lui dedans, il se met bien, là. Bonjour. Ouais. Bonjour. Il est un peu dans son tête. Bonjour. Il est dans le GPS. Bonjour. Il est dans le GPS, il te répondra pas. Bonjour. Mercedes. Salut, Santoto, ça va? Ça va? On se fait la bise? Ouais, ça va. Ouais. Ah non, t'es malade. Ah, t'es malade. Bah alors. Ah merde. On veut partager le microbe, non? Ah putain, je vais tomber malade. Putain, pire que des meufs, bande d'enculés. Quoi? Mais si, c'est vraiment un lieu de rendez-vous. Il est où? Il est où, tu vois, il la s'est personne barré. Qu'on avait au téléphone? T'inquiète pas, on parlera de ça. T'en vas. Ok. On a RDV sans Tito. Ah, tchoum. Ah, putain. Putain, c'est... C'est ça d'aller au Mont-Chiliade mal habillé, tu vois. Non, je rigole. Je suis un bon comédien, moi. Pas éternué. Et semblant. Ça va, Cleven? On en parle, gros Marco, le truc, hein, le petit Vito. Hein. Ça va, Cleven? Ouais. Ça va, et toi? J'ai regardé les news du Weasel, c'est pas foufou, hein, pas de chou. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont dit que si t'arrives? Putain. Oh, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est pas mon problème. C'est juste le hashtag assassin. Ça va. Ouais, mais c'est chaud quand même. Mais ils ont rien à faire ou quoi de t'afficher? Tu sais que toi, le doigt à l'image, je sais pas s'il y a ça ici, mais. Il va voir un avocat, si, hein. Si, il y a, mais honnêtement, j'en ai rien à foutre, ils font ce qu'ils veulent. Bah, moi, je sais qu'il que. Bah, Chico, ta réputation, Chico, là, ils sont en train de niquer ta réputation, le Weasel News. Il n'y a même pas de réputation, tu vois. Là, le Weasel News, ils font ça. Moi, j'ai dit à la police, le Weasel News, ils foutent la merde, mais quand ils vont voir trois gros bidons d'essence arriver devant eux, ils vont fermer leur gueule. Ah, ça, c'est un stage, hein. Ils veulent pas comprendre, frère. Ah putain, j'adore quand ça parle des trucs comme ça. Ça c'est bon. Ça c'est. Les bidons d'essence, putain, là tout le monde. Les bidons d'essence. Il voit le truc qui crame. Incroyable. Et... Bah, un event barbecue, les gens ils aiment ça. Ça quoi. Ça le truc. Bon. Okay. Ah non, mais là, la police. Comment la fusée, frère. Ils ont mis des bracelets pour mettre en protection policière au lieu de eux régler le problème. Et j'ai pas envie d'avoir un bracelet sur moi, frère. Va falloir qu'on bouge. Où ça? Bah, je t'ai dit, on a rendez-vous. Où ça? Bah, suis-moi. Putain, je vais rappeler l'autre, là. Ok, vas-y. Pourquoi il s'est sauvé comme ça? Bah, appelle Playmobil s'il veut courir. Eh, mais moi aussi, je viens. Allô? Ouais, toi, viens voir, quoi. C'est allô? Oui. Viens voir. Dans 15 minutes, il faut que tu sois prêt.
appelé? Si. Pourquoi? On va voir les families. Attends. Maman. Est-ce que Tanaka est au courant de ça ou pas? Pourquoi? Pour le truc là. Bah, je sais pas moi. Parce que là, il est avec moi, il dit ouais, on doit faire un truc aussi. Mais là, je vais lui dire que j'ai un truc important avec toi, parce que là, c'est ça concerne. Voilà quoi. C'est, voilà. En plus, c'est pour toi, alors l'argent il reviendra pour toi. Ah, ben non, bah oui, là. Bah oui. Ok, c'est où l'endroit? Tu vois déjà l'endroit? Oui, t'inquiète, il y a l'endroit. Mais là, je suis occupé, mais dans 10-15 minutes, tu viens te rechercher. Ok. Ok, bah, je serai avec Tanaka, il te dirai où je suis, ok? Comme ça, tu viens me chercher. Ouais, c'est carré, on fait comme ça. Allez. Valet, prête-moi ton fusil. Tu connais? Non, tu connais pas. Moi, c'est pas grave. Allez. Vas-y. Allez, hein. Vas-y. Allez. Ouais. Raccroche. Ok, il raccroche. Raccroche. Yo, Lille Maurice, comment il est? Il position Maurice, correct? T'as dit quoi? C'est qui ça? Ouais. Attends mes potes. Tu vas où toi? Hein? Ouais. Attends. Ouais. T'as entendu quoi là? J'ai dit comment allez-vous? Mais je vous reconnais vous, enfin, si je me trompe pas. Ça va? Y a quoi? Et vous? Vous avez coupé vos cheveux? Ouais, j'en avais marre et je les ai coupés. D'accord. Mais c'est bien comme ça, avouez. J'ai l'habitude de voir ça en fait. Ça va, Jerry? Bonsoir tout le monde. Ouais, ça va. Bonsoir. Bonsoir. Mais bonsoir. Ça va, ça change. Tu as pensé d'aller voir un kiné? Non, mais magnifique coupe. Hein. Je suis vraiment badass. T'as pensé aller voir un kiné? Ou un ostéopathe? Moi? Ouais. Pourquoi faire? Dirais tes os, tu sais. Ça. Ouais? Des méchants, j'ai perdu assez de... J'ai cru que c'était toi. Y'a quoi? Bon, je vais te voir y aller. Bonne journée à vous. T'as besoin de bonne journée, assassin. Quoi? Ah, j'ai cru qu'elle parlait à moi. Mais t'en donnez moi d'assassin. Je crois qu'elle parlait à Cleven 13. Ouais. Je vais lui en mettre dans son cul de l'assassin. C'est vraiment des balles. Fais attention à ton cul, hein, putain. Il a dit, je vais te mettre dans le cul. Si l'assassin est rentré là-dedans. Mais tout le temps. Ah, ça va piquer. Je jure et on verra. Ah, ben ça va piquer si l'assassin est rentré là-dedans. Ouais, ouais, c'est moi qui va lui rentrer bien profond même. Putain, j'aurais pas accepté. Un homme depuis le début. Mais oui. De quoi? Bah, elle peut lui rentrer sans être un homme, hein. Écoute, on peut mettre tout plein de choses là-dedans. Ouais. Oh, hein? Oui, je vais lui mettre un putain de concombre dans le cul. Alors là. Je pense qu'il veut déménager. Bon, je pense que je vais partir là-bas, moi. T'as pas un endroit chez toi, Tanaka, pour m'héberger? Ouais, comment ça va le peur? Le pire, je vous raconte une anecdote. Vous savez que je travaille à l'hôpital, je suis EMS. T'inquiète, Manolo, que ça va ou quoi, Manolo? Les pires trucs, c'est genre les déos, les trucs comme ça, avec des morceaux qui se cassent dans des endroits où ils devraient pas. Oh mon dieu, je vais pas savoir. Voilà. Non, je sais que j'ai vu sur YouTube. Dédéo. Il y a un gars, il appelait le 911 parce qu'il avait bouteille de Dédos Horizon dans le fesse et il arrivait pas à l'enlever. Ah oui, non mais. Mais tant que ça reste pas appuyé dessus, c'est bon pour lui, je veux dire. Bah, le problème en fait, c'est que l'opératrice ne pouvait pas prendre ça au sérieux. Parce que mec, il disait à l'aide, j'ai une bouteille de Dédo dans le cul. Ouais, je t'assure que t'envoies des. Bon, c'est, sur le coup, c'est drôle, mais à la place. Enfin, mets-toi à sa place, sur le pauvre. Coup, c'est drôle. Et une orange aussi, j'ai déjà vu. Une orange. Mais toi, tu vois des trucs bizarres quand même, hein? Ouais. Après, mais je sais pas d'où tu vois ça. Bah, à l'hôpital. Yo, Fiona. Ah, d'accord. Après, non, mais moi, je vois pas tout ça à l'hôpital, hein. C'est des obsédés, hein. Faut faire attention. Ah bah, fio. Oui, bah, toi, t'es psy, c'est normal. Bah oui, je suis psy, moi, je vois rien. Moi, ah non, moi, je suis pas psy, moi. Non, moi. Non, il dit que lui il voit rien par rapport à moi. Parce qu'elle fait des opérations et tout. En plus, c'est une chica, donc c'est elle qui s'occupe des femmes. En général. Non, mais là, moi je te parle de bonhomme. Hein. Tous ces cas, c'est des bonhommes. Hein? Je te jure. Ah, ouais. Les femmes, ouais, c'est ça, ouais. Ah, ouais, il y a un problème là, vraiment. Hein. Ouais. Bizarre. Bref, on va pas s'attarder sur le sujet.
Ça va, tranquille. Mais du coup, je vous souhaite une très bonne journée, messieurs, dames. T'as vraiment bonne une dégaine incroyable, par contre. Ouais. J'aime bien plus, la coupe, elle me rappelle. Et en plus, elle a le même tatouage que moi. Sur le bras. Je crois pas, le tatouage là, c'est une signification. On a vraiment le même tatouage sur le bras. Regarde. Ah. Attends. Mais je crois pas, non. Et sur le bras, regarde. Ouais. Oh la vache! Mais le tien est beaucoup plus gros et plus foncé, hein. Mais normal, c'est plus gros. Le mien, il est beaucoup plus fin et vous plus beau. Vous l'avez fait, le mien, il est beaucoup plus beau. Moi, j'étais chez la meuf, là, chez Alicia. Ah ouais. Bah, toi aussi, elle tatoue bien. Elle a fait oh la vache! Ouais, elle tatoue bien. Ouais, ouais, elle gère de ouf. Ah, c'est carré. Voilà. Bon, du coup, je vous laisse. Et par contre. Ouais, merci. Ouais. Merci, oh purée. Maman, la bécane! Elle est en dentelle, la meuf. Michel, la bécane ou... La bécane. Michel, t'es pas de la bécane? Gros pare-choc, hein. Gros pare-choc, il a dit, le bâtard. Bah, j'ai vu le moto avec un pare-choc. Ah, on bah, sait oui. quoi. On sait qu'il y a d'autres choses qui s'appellent des pare-chocs aussi dans le langage courant. Et je te mets au défi, va là-bas. Et tu dis, putain, ouais. Bien monté le 4x4. À qui? Mais non. Lui, il y va, hein. Non. Bonsoir. Bonsoir, c'était pour vous dire que vous avez une couleur de cheveux magnifique. Ah, Alba, il l'a pas dit. Et franchement, le 4x4, il est vraiment bien monté aussi. Ah, c'est pas le mien. Ah bah franchement, très bien monté le vôtre aussi. De 4x4. Ah, c'est pas le mien, celui. Ah, c'est pas le vôtre. Non. Ok, ok. Bah franchement, très beau. On va pas vous déranger plus. Non, vous me dérangez pas. Bonne soirée, madame. Ah, je la dérange pas. Ah, je la dérange pas. Attends, mais c'est sans toutou. Non, mais... Ah ouais, sans toutou. En toutou. Hier, t'as arrêté plein de choses. On a fait une réunion et tout et tout. Quoi? Mais si, mais. Une réunion. Oui, une réunion. Ah, sans toutou. Ah, vous avez vu mon nouveau tatouage? C'est très joli, oui, oui. Franchement. C'est une pieuvre. C'est écrit quoi, Tinder? C'est le Kraken. Oui, c'est ça. Ah ouais, on voit que les yeux qui sortent. Putain, gros tentacule. Et vous avez le même tatouage que la chica tout à l'heure dans le cou. Ah? Qui? Écrit quoi? Badi. Ah, les trois, ils ont le même. En fait, t'as raté un épisode aussi, toi, tu sais. Je vais t'expliquer. Ouais, je vais t'expliquer. Ah, bah oui. Ah, oui. Je vais t'expliquer. Elle était censée être là hier, tu sais, la réunion de tout le monde. Ah, d'accord. Dis-moi, le chico dans la voiture, il est pas au courant, on est d'accord, hein? Non. Ok, c'est pour ça que j'ai pas parlé de ça ici. Ouais, ouais. Mais oui. Okay, après, okay. C'est mieux pour toi. Hein. Et pour vous aussi, non? Bah. Au courant pour vous? Moi, je sais pas. Oh putain. Comment tu veux? Il est au courant ou pas pour vous? Vous. Ah, votre... non. On est d'accord, voilà. Oui. Donc, de quoi, qui est courant? Le gars dans la voiture. Hein? Bah, le gars dans la voiture. T'es en train d'ouvrir ta grande bouche comme d'habitude, hein. Non, j'ouvre pas ma grande bouche comme d'habitude. Tant bien mon haleine. Santito, on a rendez-vous, allez hop hop. Ouais, putain, c'est vrai. Allez, hop, moi, je prends ma voiture, moi. Allez, Joyce, allez, viens avec nous. Ouais. Attends. Bonne soirée. Hey, Gabriella. Comment tu m'as reconnu? Ah. Ah, merde, c'est pas toi alors. C'est toi, non? C'était le même chose. Ah, yeah. Bah, ouais. Comment tu m'as reconnu? Bah t'as juste changé de couleur de cheveux, non? Bah, pas que, non. Ah, d'accord, ok, bah c'est pas toi alors. Bonjour, madame. Bonjour. Désolé, je suis un peu daltonien, du coup. Or. Non, y'a pas de problème. Ouais. Bonjour. Au revoir, du coup. Vous connaissez Santito? Tu me connais comment, toi, hein? Tu vas pas que je change de couleur? C'est moi, Gabi. Ah, d'accord. Ah, c'est toi? Bah ouais, t'es passé au salon depuis cette conférence, je te ferai remarquer. Ah. Ça va? Je t'avais pas reconnu, bah, putain, si tu savais. Bah oui, fixe-moi bien dans les yeux. Ah oui, c'est toi? On dirait un barabi. Ouais, en plus, c'est écrit Badi dessus. Bien changé, hein? Enfin, je veux dire, t'as bien du style. T'as du style, quoi. Merci, ouais. Pourquoi tu... Elle est trop belle avec sa nouvelle couleur. Tu parles d'une autre manière. Comment ça, je parle d'une autre manière? On aura l'occasion de se parler, j'ai des rendez-vous, attends.
J'arrive. Bah, si j'ai ton temps, on verra. C'est en bonne position. Quoi? Comment ça tu t'en... Attends. Attends, d'abord je vais avec Tanaka faire un truc et après je t'envoie la position, ok? Ok. Je t'explique que je dois venir. Attends. Ok, tu te mettras masqué ou pas? T'appelles après, Gabi. Vas-y, bah dis-moi. Attends, je te rappelle, attends. Vas-y. Tu veux que j'en vais chier? Je t'envoie chier! D'accord, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, hein. T'es con. Ah, en plus. Après, je dis quoi? Ok. Va te faire foutre. Ok, je note, oui. J'ai pas ton temps, va à ton rendez-vous. Ok. Je t'appellerai et on réglera ça, ok? Après, je dis quoi? Connard! Ok. J'ai pas la coupe de cheveux, madame. Merci. Ouais. Non, je disais, Irina... Mais, et merci. Oui. Irina m'a dit qu'il y a un rendez-vous important avec les families pour le business. Vas-y, va, travaille. J'y vais et après je viens, ok? T'inquiète. Tu veux venir avec moi ou pas? J'ai un rendez-vous avec Irina pour le business. Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? Tu tousses déjà? Tu fumes? Ouais, t'inquiète. Putain, c'est grave, hein. Elle a vraiment changé. Ton gros abo là, ferme un peu ton gros abo. On entend jusqu'ici. Ça va te faire insulter. Si tu veux, aujourd'hui, tu peux m'appeler Johnny. Johnny le camionneur. Attends, déjà tout à l'heure, tu dis que je sais pas quoi là, et après je t'appelle Johnny. Non, mais c'était... Ça a rien à voir, ça, mais t'entends ma voix, on croirait pas Johnny. Oh, venez, monsieur, je vais vous réparer le champ. Non, non, pas là. Allô? Si, je suis avec Joyce, elle peut venir ou pas? Elle peut. Mais bien sûr. Oui, elle peut, avec moi. Peut-être masquer. Ouais, on va se masquer, t'inquiète, on va se mettre à un endroit, je t'envoie la position, tu vas nous chercher, ok? Vas-y. Eh, hey, tu trouves pas ça... T'as raccroché, là? Ouais. Tu trouves pas ça bizarre que Dédé, comme par hasard, il veuille... Il nous appelle alors que ses parents t'ont soulevé... C'était quand, d'ailleurs? Avant-hier? D'ailleurs, ouais, c'est bizarre. D'ailleurs, il faut aller voir la Speedy, hein. Ouais, il faut. On va se garer, là. J'ai pas écrit rez-de-chaussée. Interdit d'être seul, Santito. D'accord. Oh merde, niveau 1. Interdit, je suis ton chewing-gum. Ouais, quoi? Ton chewing-gum. Bah laisse-moi te mâcher alors. Bah non, mais c'est genre le chewing-gum sous ta semelle. Ah ok, ok. Oh, j'ai cru que t'étais un chewing-gum, ça se marche, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis ton garde du corps, je vais sortir mon couteau comme ça. Non mais déjà, on va se masquer. Déjà, on va se masquer. Ok. J'aime pas quoi les lunettes restent, attends. C'est là? Tu te sens mieux, ça va? Pas traumatisé? Est-ce que tu m'as déjà vu traumatisé, toi? Non, mais bon, quand même, quoi. 2 balles dans les jambes, un A gravé sur le torse. Ouais, d'ailleurs, j'ai essayé de faire partir, mais c'est compliqué. Mais c'est impossible. Bah, j'ai pris un couteau, j'ai gribouillé. Ouais, j'ai gribouillé. Oh. Et coupé, quoi. Horrible. Bah ouais, c'est... J'ai pas envie d'avoir ça sur mon torse. Ah ouais. Bon, on va attendre, elle va arriver. Hein. Et c'est là, t'as les poyos qui rentrent ici et on se fait niquer. Ah bah, surtout que c'est assez connu comme endroit. Hein. Ah bon? Oui. J'ai mis ma voiture. Oh merde. Tu sais quoi, j'ai pas fermé tant qu'elle est pas arrivée, parce que si les poyos arrivent pour entrer, on est dans la merde. Oui, du coup, hier, il y a une réunion encore de gang, hier. Ouais. Et du coup, il y avait des nouveaux là, il y avait des bikers, des lost,
il y avait des Madrazo. Et après, il y avait Russ, là, les Mara, les Families, le Fang, je sais pas quoi, les Yakuza, j'étais avec eux, du coup. Et les Badis, c'est le nouveau gang des filles. Il y a que des chicas. Ah, tu devais être content. Pourquoi? Non, comme ça. T'es un ou quoi? Tu vas leur vendre des armes? Ouais, bah je vais essayer de voir les contacts. Hein. Ils pensent qu'ils ont pas encore les fonds nécessaires. Mais du coup, le tatouage qu'elles ont, c'était elles là qu'on a croisé? Ouais, Badi, tout ça, c'est les gens de leur groupe. Et j'ai pas dit fort parce qu'il y avait un chico dans leur voiture. Et apparemment, lui, il est pas au courant. Mais c'est un de ses amis, tu vois. Et c'est le coiffeur là. Ouais. Du coup, il préférait attendre pour le dire. Oui. Moi-même, ça m'a choqué. Hier, j'étais avec Irina connaît Gabriella, toi, Gabriella. Et quand elle est arrivée, elle a vu Irina, elle a changé de couleur, la chica. Elle a vraiment. D'ailleurs, je sais pas encore c'est quoi. Enfin, je crois que le business, c'est. En fait, Amine. Et elle m'a parlé de gâteau, mais j'ai pas trop compris. Peut-être c'est un moyen de couverture. On verra bien. Ok. Et ouais. Et DJ Ferson, on en fait quoi? On va avec les Poyos. Ok, toi, tu t'as décidé, on fait rien. Pour le moment, non. J'ai pas. Déjà, écoute. Tu veux que je fasse quoi? J'ai déjà tué le fils. T'as cru que j'allais tuer la maman ou quoi? Même ah, si. Bien. Maintenant, tu dis, j'ai déjà tué le fils. La dernière fois, c'est toi qui l'as tué. Ah, c'est toi qui l'as tué! Mais c'est vrai, ça! Donc tu peux bien tuer la mère. En fait, le truc, j'avais tellement la haine contre lui que pour moi, dans ma tête, c'est comme si c'est moi qui l'avais tué, en fait. Alors que c'est toi. Ouais. Le coupable. Ouais. Pas honte ou quoi? Pas honte. Tu es une tueuse. Taxi. Ah ouais, s'il faut être discret avec ça, là, putain. Putain de merde. Attends, tu veux t'asseoir devant? Non, mais... Tu veux ou pas? Ouais, du coup, c'est où? On va dans le quartier? Comment ça se passe? Mais attends, il y a l'appel. Ok. Si, tu peux envoyer une position, je suis prête. Bien. Attends, je fais ma voiture. Ok, je suis avec mes collègues. Vas-y, envoie une position, y arrive. Merci, Inel. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller les voir. Il aurait déjà parlé, mais comme ça, ils vont te dire exactement le nombre qu'ils veulent. Ok. Et puis après, une fois que vous avez parlé avec le nombre exactement, et puis bon, on va aller chercher les armes, tout ça. Enfin, comme hier, quoi. Ok. Simple, rapide et efficace. Ok. Putain, je viens de penser à un truc, là. Ok. Ouais. Non, je vais t'expliquer après, Joyce. Ok. Et il me faut un nom de code. Pourquoi? Bah, je sais pas, on sait jamais, non? Ah, oui. Moi, de toute façon, je suis visage découvert. Ah si, je suis le Yin. Eh ouais. Bah moi, le Yang. Eh ouais. Le Yin, le Yin, c'est la gonzesse, le Yang, c'est le mec, ok. Sinon, ouais. Joker... What, ah, tu quoi ça? Sur le coup, j'ai cru que... Mais c'est quoi ça? Ah ouais. Bah, vous voulez pas qu'on aille voir? Ah bah non, remarque, on est masqué. Faut pas qu'on s'arrête. Oh, c'est joli, hein. Pas se faire repérer. De toute façon, tu sais conduire, non? Oui. Va après à Perico à conduire. Perico... On apprend pas beaucoup là-bas, hein. On conduit comme des sauvages. Attends, là-bas. Hein. Elles sont... Les routes, la dernière fois que j'y suis allé, les routes, elles étaient genre en terre. Alors bon, Mais pour nous, c'est ici, c'est pareil, hein, quand on regarde. Enfin, c'est bétonné, mais nous, dans notre tête, on roule sur la terre. C'est pour ça qu'on prend des drifts et tout, tu vois, on fait des trucs. Exactement. Par contre, on est bien traîné pour le sable. Je vois. C'est tendu, le quartier. Hein, putain. Ça bouge. Attends, on va aller dans le quartier carrément, là? Oui. D'accord. Et tes promesses, ils nous font. Ils font quoi, eux? Ils font un guet-apens ou quoi que ce soit, ça va chier. Non, t'inquiète pas. Irina, ils vendent quoi ici, eux?
C'est la weed. Oh. Bah allez, ils sont pas verts pour rien. Eh bah pas. C'est ça leur maison. J'ai parlé un peu trop fort, je crois. Allez devant la maison, j'arrive. Ok. Ok. Oh, moi je vais acheter de la weed, en plus je suis verte comme eux. Oh là là. Bah va avec eux. Non, c'est bon. Change de famille. Verte hein. Comme eux. Je vais faire ma maison quand même, enfin notre maison. Mais ils ont un grand arbre. Ouais. Est-ce qu'ils sont courants qu'après 6 heures il faut pas le mettre de sous l'arbre? Bon, venez. Non mais... Après 6 heures il faut pas être sous un arbre. T'as pas de malheur. L'ours en meurt. Bonjour. Hola. Ça va ou quoi? Ça va et vous? Allez-y, installez-vous les membres. Bonjour. Putain, quel accueil. Toujours chaleureux. Merci, très chaleureux. C'est pas la table que j'avais dit de mettre, mais vas-y lourd. Putain, j'ai cru que c'était elle là-bas, démasquée. Yo, comment que ça va, Damis? Ah, t'es intelligente, toi. Tu mets ton gros qui au milieu et moi... Et moi, je m'assois où? Yo, son quoi? C'est moi. Gros qui? C'est quoi, ça? C'est de Dragon Ball, ça, le cul. Ah ouais, on lance toute la place. Vas-y, Taz, assieds-toi. Vas-y, prends toute la place. Vas-y, Taz, assieds-toi. C'est quand vous voulez, Mélan, c'est bon? Tout le monde va bien? Ça va et vous? Bah, très bien. Joli parapluie. Ils sont masqués, mais ils vous présentent mes collègues. Voilà. Non, le man à droite, tu me dis un truc. Ton masque, il me dit un truc. T'étais pas à la réunion hier? Il était là hier aussi avec moi. Ah ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, c'est bien ce qu'il me semblait. Vas-y, lourd. Il y a toujours un seul vendeur d'armes pour le moment. Lui, enfin, voilà, c'est mon équipier qui vend les armes. Moi, je suis spécialisé dans les armes. Ok. C'est... Ok. Donc, du coup, depuis la dernière conversation, c'est toujours, toujours bon? Bah yo, nous, tout dépend des prix, hein, comme je t'avais dit, Lady. Oui. Bien sûr, moi j'ai les tarifs avec moi, là, collègue, comme ouais. Ça. Ok. Je vais voir les tarifs à ton nom. Tasse, tu notes? Ouais. Merci, tu gères, Tasse. Ce que vous m'avez dit, c'était Uzi et calibre 50. Uzi, Scorpion, calibre 50. Scorpion, on n'a pas. Hein. Mais c'est quoi, Scorpion? Scorpion, vous avez pas? C'est quoi, ça? Yo, Scorpion, Tech 9. Comment ça s'appelle? Tech 9, ouais. Hein? Yo, c'est un petit pistolet. Alors, c'est pas le pistolet mitrailleur, tu vois. Mais c'est un pistolet qui mitraille. Ah, le perforant là? Non, justement, non, c'est pas sûr. C'est le Tech 9. Alors, c'est un pistolet qui mitraille. Ouais, c'est ça, mais c'est pas un pistolet mitrailleur. Juste, tu cherches sur internet, tu devrais trouver. Ouais, cherche le Scorpion. Attends, je vais regarder. Yo, faut préciser que c'est une arme, sinon c'est l'animal et ça marche moins bien. Mais du coup, au niveau des prix, si c'est toujours bon. Un Uzi, c'est 50K et un calibre 50, c'est 30. Ok, lourd. Ça lourd. Eh oui, ça. D'accord. Voilà, ça. Ça meurt. C'est un AK-47 qui est compressé, quoi. Non, c'est pas ça. Si, mais c'est tout petit. Non, c'est tout vrai, noir. C'est tout noir, c'est ça. Mais pour moi. Si, j'ai regardé sur internet. Non, c'est pas le fusil compact, t'inquiète. C'est tout noir, j'ai vu, il y a une espèce de morceau de métal à l'avant. Ok, on en sortira un de Nanstock et on montrera si c'est bien ça. C'est une arme que tu tiens dans une main, t'as vu? Ouais, voilà. Voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est Scorpion, c'est Uzi, c'est Calibre 50. Ah bah avez, tout ça, on a. Avez... Donc KF50, vous avez dit 30 000, c'est ça? Ouais, Uzi 50. Uzi 50 000. Et Scorpion, vous savez ou pas? Mais attends, il essaie de te voir ça. Le Scorpion, c'est quoi en fait? Attends. Et Kaby, c'est un de vous? Ouais, c'est moi, Lady. Ah, ok. Très bien. Alors, c'est soit... C'est entre 80 000 et 90 000. Ah oui, ça vaut du cœur. Oh, ça meurt. Voilà. Non, mais c'est plus de la merde que le Uzi, ça vaut moins plus cher. Non. Ah, aussi, si. Non. T'es vraiment sûr que tu me confonds pas avec le fusil compact? T'es sûr que tu confonds pas? Non, je te promets, je viens de voir. Ok. C'est vraiment pas incroyable, hein. Après, on verra les tarifs, ça, selon vos... Ah, quoi.
Ok. Tout dépend de la quantité aussi. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. De toute manière, quand vous achetez des armes, on est, en général, je ne fais pas payer les munitions. Je donne toujours une boîte avec. Et après, okay. Vous voulez acheter des munitions en quantité, là, par contre, c'est le prix, tu vois. Et cocktail Molotov, vous avez? Si, si, on peut faire. Facile, ça. On va bien brûler des gens, t'as vu? Oui, ouais, c'est pas mal. C'est un bon projet. Bah ouais, carrément. Mais Chico, tu sais ce que tu peux faire? Tu achètes de l'alcool à brûler, tu mets dans une bouteille. Ah bah oui, man, c'est si simple que tu dis. Bah lourd, j'ai pas pensé à ça, man. Ah bah yo, je vais le faire. Vraiment lourd. Bah vas-y. Non, les notes, c'est avec de la sorte de Perico. Voilà, c'est pour ça, ça me semble. T'es fait avec du rhum de Perico. C'est pour ça que c'est cher. C'est pour ça. Du rhum à 90 degrés. Ok, mais du coup, vous vendez ça combien? Attends. Parce que moi, si tu me dis je vais acheter une bouteille d'alcool au supermarché, t'as vu, et je peux un torchon dedans, moi ça me va, hein. Je vais le faire, hein. C'est si simple sorti de ta bouche, man. J'ai tellement. Ça paraît simple. C'est cher quand même. Ah, ouais. Yo, je vais carrément aller acheter. C'est 3000 dollars. Supermarché. 3000 dollars. Ouais, après il peut faire le prix. Comment? Ça, je pense que si vous prenez une bonne commande, on pourrait faire un prix. Hein. Bah, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Dis-toi bien que hier, vos chers copains, les Yakuza, en ont pris pour 20 000 dollars. Ouais, mais on n'a pas le même budget. C'est pour vous dire que tout le monde est pareil, tu vois ce qu'il veut dire? Ouais, non, mais ça, y'a pas de galère. Mais man, les Molotov, c'est comme les packs de capotes, ça marche pas à 10, non? Ouais. Ça dépend de ton rythme. Ouais, des fois, c'est 12 ou 24, c'est vrai. Ça dépend du rythme, hein. C'est un rythme régulier. Fais pas des packs. Et Chico, t'as cru que j'allais te donner avec le petit caleton de bière aussi? Des starter packs, on sait pas. Je vais le livrer en camion aussi. Man, écoute, moi je joue à Pokémon. Dès le départ, on m'offre un Pokémon, t'as vu? Donc moi je me dis, y'a peut-être moyen. Y'a un starter. Bah ouais, le starter. Le starter, ça va être des armes, non? Pokémon ici, hein? Ok, j'ai une suggestion. Okay. Après, il faut pas se mettre en tête que tu vas acheter tout ça tout de suite. Il faut que tu achètes un par un, toi. C'est sûr que ça paraît cher. Voilà, mais t'as vu, cocktail Molotov. Et est-ce que il y aurait pas moyen, t'as vu, parce que nous, on vend nos services aussi, t'as vu, s'il y a des missions et tout. Genre, vous nous mettez sur une mission, au lieu de nous payer, tac tac, cocktail Molotov. Ah, ça c'est intéressant quand même. Ah, c'est intéressant. Quoi. Elle aime bien le verre aussi. Ouais. Mais vous savez pourquoi elle veut faire ça? Comme ça, vous la donnez de la weed. Ah ouais, vous vendez combien d'ailleurs? Ah yo, la weed c'est 500 dollars l'unité, hein. Ah, c'est plus cher que la coke. Putain, c'est cher, hein, putain. Ouais, mais c'est la meilleure, putain. 100%. Je crois que je vais rester à la coke. Mais c'est la meilleure weed. Mais continue à prendre de la coke, tu vas perdre tes cheveux, t'auras les yeux qui sortent des orbites. Ouais, tu vas t'arriver. C'est de la merde, hein. Continue à prendre de la coke, continue. Tu vas devenir stérile. La weed ça te met bien et t'as vu, on est beaux gosses. On est tous beaux parce qu'on fume beaucoup de weed, yo aussi. C'est prouvé. Ok. Oui, c'est vrai. Et vous dormez bien? Ça rallonge même la tête. Est-ce que vous dormez bien? Attends, on dort tous très bien. Ouais, carrément. Pas réveillé dans la nuit? J'ai envie de faire une vanne sur leur voix, mais je pense. Justement, t'es bien. Tu veux goûter? Non, pas tout de suite parce que avec mon masque, ça va être compliqué. C'est 100% bio garanti. Vous faites pousser ça où? Ah, yo, man. Ah, c'est secret professionnel. Non, mais j'allais voir si elle allait me balancer, toi. Ah, d'accord, ok. Bah, ce que je peux te dire, c'est bio, man. Ok, ok. Non, parce que je sais, des fois, des gens, quand ils vendent leurs produits, tout le monde, ils font pousser ça où, tu sais, ça. Ils sont tellement contents de vanter leurs produits qu'ils lâchent l'endroit, toi. Bien sûr, man. Il y en a qui sont prêts à le faire, crois-moi. Hein. Man, tu vas voir les marins, tu vas voir les madrazos, il y a peut-être moyen, t'as vu. Ils sont tellement contents de vanter le produit qu'ils disent « Ouais, on plante là-bas et tout, c'est trop bien !» T'aurais même pu t'arrêter au début de ta phrase, ils sont tellement cons, c'est tout. Ah ouais. On essaiera alors. Ah bah ouais, man, essaye, hein. Franchement, ça vaut le coup. Non, oui. Mais ouais, on plus sérieusement, venir, oui. Vous pensez à moyen, vous nous mettez sur un truc, au lieu de nous payer, vas-y, faites des réducs ou des trucs comme ça, quoi. Bah on va dire que pour le premier, j'aimerais bien que vous payiez tarif, toi. Au moins, c'est sûr que vous êtes. Oh, je vois. Dans la misère, ça marche. Non, au moins, je vois vraiment que. Non, mais après, vous n'êtes pas obligé de prendre une quantité. Hein. Vous prenez juste quelque chose. Un seul truc. Au moins, je suis sûr que vous pouvez payer déjà le prix de base. Et là, ensuite, on pourra parler de réduction. De l'envoi moyen, bien sûr.
En plus de ça, la chica veut acheter de la weed avec vous, donc ça fait bénef. Mais peu importe ce qu'on achète. Quoi? Ah non, alors là... Il s'en fout de la weed, lui. Moi, c'est juste pour bien dormir. Ah ouais, ok. Bah après, on peut t'échanger... Je peux te chanter des belles choses. Hein. Ouais. Ouais. Genre, admettons, tu nous dis un cocktail Molotov, c'est 3 000 $, nous on te file pour 3 000 $ de weed. Ouais, encore ça, on peut faire, mais pas d'armes, quoi. Non, yo, les cocktails Molotov. Yo, mais tu veux te retrouver avec combien de tonnes de weed, ben, si on t'achète des armes avec? Ah ouais, non, pas... Mais... Et après, je refais mon business avec la weed, et après... Voilà, ah, c'est ça, t'as tout compris. Non, mais voilà, t'as vu, tu m'as dit, il faut d'abord faire un peu de bise, et puis après on verra, moi je te propose ça. Bien sûr. Ouais, si tu veux me payer en weed par rapport au côté Molotov, c'est possible. Ça peut faire plaisir à la chica, mais par contre les armes, là on parle de billets. Bien sûr, man, bien sûr. Et du ça coup, ça peut se faire. Pour commencer à faire du bis, si on prend des Molotov, c'est bon, ça marche. Ouais, mais Molotov, donc, Chico. Là, vous prenez pas d'armes là. Yo, bah. Et tu vas faire avec les Molotov, tu vas brûler les voitures. Man, écoute, j'ai des man à brûler qui comprennent pas que le business de weed, c'est mon business. Faut carrément que je leur brûle la gueule, man. Man, je passe mon temps à brûler des trucs. Il y a quelques jours, j'ai brûlé 2 camionnettes au Lost. T'as pas vu sur Twitter? J'ai vu, j'ai même entendu dans le rendez-vous hier. J'ai brûlé 2 de leurs camionnettes parce que les man ils voulaient pas comprendre que la weed c'est mon business. Et là, résultat, ils ont quitté le business. Attention, pyromane et tout, c'est vite fait trouver, hein, fais gaffe. Hein. Mais tranquille, man. Tranquille, c'est pour ça que je te dis, moi, comme je brûle souvent des trucs, les cocktails Molotov ça m'intéresse. Parce que l'essence c'est bien, mais vas-y. Ouais, le temps que tu verses, tu allumes. Voilà, c'est ça, ça prend trop de temps. D'ailleurs, l'essence, tu l'allumes avec quoi? Yo, avec mon gun, man. Ouais, voilà, t'as eu un gun en plus. T'as eu un gun avec qui, toi? Ah. Ah. Ah, moi, man. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Tu me fais croire que tu vas acheter des armes, mais t'as un gun, hein? Man, bien sûr, j'ai un gun. Ouais, tu l'as eu, ton gun. Man. C'est pas son piste, t'as vu? Tu me dis, je te fais une réduction sur le prochain gun. C'est vrai? Ouais. Mais man, c'est chaud. Man, c'est carrément. Allez. Non. Faut que je sais ça sur le dos. Moi, je peux pas te dire ça, man. T'as vu, je t'ai fait une bonne réduction en plus, hein. Ça dépend, c'est quoi ta réduction déjà? Ça dépend de ce que tu vas prendre. C'est quoi ta réduction? Ah, bah ça dépend du prix. Donc ça dépend de ce que tu vas prendre. Man, si je te file le blast du type qui nous a filé même 2 guns. Deux guns. Deux putains de guns. Mais il vous les a filés. Il t'a donné 2 guns gratos. Fournisseur de guns ou il les a filés comme ça? Non, fournisseur. Toi payer. Non, toi payer quand même. Il a chopé des guns dans la... Non. T'as pas payé. C'est mon bis, ça. Ça c'est depuis mon quand toi c'est depuis quand il y a fournisseur autre que moi ici? Ça n'existe pas, ça. Il y a moi et un. Si je te file le blaze, t'es prêt à me faire quoi? Si tu me files le blaze, ça c'est mon problème après. Toi, ton problème, non, c'est la plata que je dois réduire, on est d'accord? Justement, ce que je veux te dire, c'est que moi, tu me fais combien si je te file le blaze? Ben, d'abord, dis-moi ce que tu veux, dis-moi le tarif, et après, je te dis combien tu peux le tirer. Ok, tu sais ce que je veux te dire? Je vais te dire que si tu fais du bise avec moi, ça garantit l'anonymat, man. Donc, je vais carrément pas te filer le blaze. Tu devrais être content que je te dise ça, man. Et pourquoi t'es pas retourné le voir pour avoir d'autres armes et... C'est ça! T'es passé par là. Je vais te dire un truc très simple, tu vois, quand tu fais du biz, il faut voir tout le monde, il faut voir grand, t'as vu? Moi, je vais voir tout le monde. Ouais. J'ai carrément des bouchons dans les oreilles. Je vais voir tout le monde. D'ailleurs, c'est quoi le type d'arme qui t'a donné? Des guns normales, des 9 mm? Ou des vintage? Ouais, du coup, je disais... Chico! Quoi? Non, réponds à ma question, par contre. C'était quoi ta question? C'est quoi qui t'a filé? Des vintage ou des 9 mm normal? Ça, c'est mon bise. Chico, tu peux même me dire ça quand même. Man, regarde, je vais te prendre un truc très simple. Là, tu viens, tu me demandes ça. Moi, je te file les infos. Tu vas te dire quoi, toi? Tu vas te dire, je vais pas faire du business avec lui parce qu'au moindre man qui va lui demander, il va filer les infos. Non, moi, il m'en fout de ça. Moi, il veut savoir d'où ça sort. Moi, il vient. La plata, moi, il prend la plata, je te donne ce que tu veux. C'est mon business, tu vois. Mais par contre, il veut savoir au moins d'où ça sort pour savoir si jamais il y en a un qui fait le malin dans mon business, tu vois ce que je veux dire? Si demain, il y a un man qui vient me dire à qui t'as eu tes armes et que je balance toutes les infos sur toi ou sur Irina, tu vas dire quoi?
Mais en fait, tu peux balancer parce que le truc, c'est que ce que tu ne sais pas, c'est que nous, on est en haut, tu vois. Nous, les armes, c'est fabriqué à Perico. Ouais, mais c'est de A à Z, pièce par pièce, tu vois. Je veux savoir d'où sortent les armes parce que, à part le fournisseur de Perico qui est juste à côté de Los Santos, tu vois, c'est compliqué de faire emporter. C'est très compliqué. Crois-moi, le man qui nous les a filés, il est aussi haut de la chaîne alimentaire. Ouais. Ah ouais? Non, c'est pas possible. Si, man. Là, il faut que tu me dis, là. Je t'ai dit, moi... Il est encore là? Mais bien sûr, il est encore là, man. On fait toujours du bise avec lui. Ça se trouve, je travaille pour lui, Chico. Bien sûr que oui, man. Peut-être. Ouais. Mais tu vois, moi, le truc, c'est que... moi. Allez, balance. Non, je balance rien, man. Putain... Moi, quand je fais du bise avec quelqu'un, je garde l'anonymat, man. Peu importe ce que tu me dis, ce que tu peux me proposer. Mais dans tous les cas, tu vas dire quoi, moi? Je suis là, je suis masqué, tu sais pas qui je suis, on est anonyme. Non, mais Irina, je la connais. Ouais. Bah donc voilà. Mais attends, mais s'il imagine que c'est son boss, ça veut dire que là, s'il faut, on va balancer ton boss. Je sais pas cool si on balance ton boss. T'aimes chez vous, ça? Allez voir, allez voir. C'est quoi ça? Swiffer et tout ça. Mon avis, il veut de la win. Ouais, y'a moyen. Y'a quelqu'un qui s'appelle Swiffer? Ouais. C'est original. Ouais, mais du coup, vraiment. Faut que je sache d'où sont ces armes. Attends, c'est pas contre toi, mais attends. Yo, what's up? Quoi ça? Ça va, man, tranquille. Ça va, vous? Parce que... Frère, j'ai l'impression d'être dans le ghetto pour de vrai, là, frère. Le business est... c'est incroyable. Je fais du bise avec quelqu'un et j'en demande de voir quand je fais du bise avec quelqu'un. Attends, il y a des gens à côté, ils parlent là. Attends, on va laisser les parler. Yo, je leur ai dit, c'est parti. Venez. Ok, super, man, c'est sympa. On dirait qu'on est vraiment dans le cadre. Dans le ghetto, il y a business. Je peux plus. Incroyable. Quand je fais du bise avec quelqu'un, je ne donne pas les infos sur le bise, c'est clair. En vrai, il a raison. Moi, ça veut dire, même moi, demain, je fais du bise avec toi, t'as beau être en haut de la chaîne alimentaire, man, personne n'est intouchable, même nous, on n'est pas intouchable, man, tu vois. Mais Chico, regarde, je vais t'expliquer un truc. Vas-y. Imagine-toi, là, tu vends ta weed, tu vois, tu me dis que c'est la meilleure. Et moi, il te dit, putain, ben, j'ai pas besoin parce qu'il y en a un qui m'a donné, il m'a dit que c'était la meilleure aussi. Tu vois, ça te fait pas un truc? Je mène mon enquête et je le soulève. Ouais, mais Chico, tu vas faire quoi? La différence, c'est que t'as vu le business de weed, y'en a plein qui se battent pour aller dessus parce que ça peut leur apporter un peu de thunes, tu vois. Ouais. Le business d'armes, c'est un cercle très fermé, t'as vu. C'est vrai, c'est pour ça que je suis aussi. Voilà. Aussi prêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est très fermé. Tu vois mon état d'être, ça veut dire que ce soit toi, que ce soit quelqu'un d'autre, à partir du moment où je fais du biz avec un man, je ne donne pas d'infos. Ok. Et peut-être c'est ton chef. Moi, je te dis, le man, il est en haut de la chaîne alimentaire. C'est doux. Ok. Bah, il y avait même fois. Je vais essayer de trouver les infos, il n'y a pas de problème. Mais c'est dommage, ouais. Tu aurais pu avoir une réduction. C'est dommage. Je sais, man, mais l'honneur avant tout. Ouais. Vous voulez pas qu'on revienne au sujet principal? Ah bah ouais, moi, il n'y a pas de galère. Juste quoi le sujet principal? Yo, c'était... Bah, les armes. C'était... Est-ce ah ouais, que il voulait des cocktails Molotov. Entame un bise. Bah en fait, si tu veux savoir un truc, nous pour entamer un bise, faut qu'on parle de plata et pas d'échange, tu vois ce que je veux dire? Là tu m'as proposé de la weed à la place de cocktail Molotov, il y aura un lien, tu vois, mais il y aura pas d'argent, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'y vais pas revendre la weed, tu vois, c'est pas mon truc. Et par contre, toi, les armes, moi, je m'en fous, tu fais ce que t'en veux. Tu vois? Ok. Moi, il vend comme ça, mais par contre, si j'entends que tu achètes beaucoup pour le vendre moins cher et à n'importe qui, là par contre, ça va pas le faire. Alors, moi je vais te dire de suite, moi c'est. Je l'avais déjà dit à Irina, j'avais dit si les mondes vous cherchez des intermédiaires, t'as vu, nous, il n'y a pas de galère. Vous voulez vendre à. Vous voulez que votre business il s'étende et vendre à des mondes dans la rue et tout. Nous, on a des mondes qui cherchent des guns, on vous contacte et t'as vu, au moins vous n'êtes pas en relation. Voilà. Maintenant, les mondes, si vous nous dites non, nous, on veut que ce soit nous. Bah vas-y, vous faites votre bise. Moi, okay, ce que j'avais dit à Irina, c'est s'il y a des mecs qui cherchent des guns, plutôt que vous faire venir et tout, t'as vu, vous êtes des grands, nous, on vous appelle, on vous commande le gun et on les revend direct. Au moins, il n'y a pas de galère. Si. Attends, il te rappelle. Ouais, il te rappelle, ils sont en discussion. Ça, à la limite, ça vous va ou pas?
T'en penses quoi, toi, Irina? On peut toujours voir, mais pour l'instant, nous, on se contente de vendre. Ok, voilà. Carré. Mais voilà, sinon, on viendra jamais empiéter sur votre bise d'armes. Si. C'est clair et net. Voilà, c'est le principal. Maintenant, moi, je te dis, je peux mettre que 45k, là, à l'heure actuelle, pour une arme. Attends, je regarde ce que je peux avoir pour toi. 45k et un calibre 50. Yo, ouais, mais j'ai déjà, comme je te dis, j'ai déjà des guns. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de taper l'usine, forcément. Yo, forcément. 45k, toi, dis 45k. Et vous nous envoyez. Ouais, en vrai, c'est possible, ouais. Pour l'usine 45k et ouais, c'est possible. En vrai, c'est 50k à l'usine. Un peu de weed. Peut-être de la weed en compensation. Ouais. On peut vous faire de la weed. J'ai dit combien? J'ai dit c'était 500. A vous de voir, ouais. je vous propose un truc. Vas-y. Soit je vous donne. Comment dire? Attends. Soit vous payez la totalité et je vous donne plus de munitions, soit vous payez juste le Uzi à 45k. Par contre, je vous donne une seule boîte, mais par contre, on veut de la weed. A vous de voir. Bah, on n'est pas moi, plus. Donc... Moi, du coup, je vais te dire 45k. Et on vous file, vas-y, tu sais quoi, on va même vous faire un cadeau, on va vous filer 20 joints au lieu de 10, tu vois. Ok. Bon, ça c'est sera pour la consommation 2, moi je prends pas trop. Ouais, mais c'est ok pour vous ça. Allez, allez, c'est pour quand? Allez. Bah, quand vous êtes de... quand vous avez possible, hein, moi, tu sais, là, tu sais. Là... Pour toi, c'est disponible. Ouais, ce soir, c'est disponible. Ah oui, largement. Ouais. Alors, ok, bah, on peut faire ça maintenant. La question c'est. Là, maintenant, de suite? Enfin, de suite, ouais. Le temps qu'on aille chercher. Tout ouais, ça, le temps qu'on va chercher, toi. Non, mais il dure maintenant dans la soirée. Parce qu'on a des gens à soulever, c'est pour ça combien de temps après. Ça dure pas longtemps, on va à l'entrepôt, on va chercher. Une demi-heure, même pas, non? Une demi-heure. Non, vraiment, c'est vraiment long, hein. En fait, c'est soit on fait là, on a fini, soit après, là, on va faire des trucs comme vous, on fait, et si vous êtes encore là, on peut faire ça tranquillo. Yo, bah vous êtes là jusqu'à. Moi, je suis pas là tard. Voilà, ce soir, ça va pas être possible de rester tard. Mais Oji, on a besoin de l'usine ce soir. Au pire, on fait ça maintenant. On fait ça maintenant, y'a pas de problème. Ok, on fait ça mais maintenant, vous revenez dans combien de temps du coup? Non, mais t'as pas répondu à ma question, on dit on a besoin de l'usine ce soir ou pas? Oui, oui, oui. Le temps d'aller-retour, je sais pas moi. Aller-retour, ça prend 10 minutes. Vas-y, carré. Bah, préparez vos joints. Roulez les miens. Vas-y, on va vous faire ça, je vais vous chercher la thune et puis carré. Vas-y, carré. Allez. Vas-y, carré les mains. On fait comme ça, on revient. Voilà, dis-moi merci. Merci, sorti. Attention, voiture. Oui, pas de fois. Hier, j'ai esquivé une voiture, c'est elle qui s'est pris. Ouais. Je les ai même pas vus, les chicos, là. Je voulais leur sortir mon fusil d'assaut pour leur montrer la qualité, mais après, je me suis dit. Mais moi, ils ont pas assez d'argent. Peine, t'inquiète. Mets-moi la position. D'ailleurs, il faut que tu reprends des munitions comme Toto. Des munitions? Ouais. Ou un truc plus petit. Pour mettre dans mon sac. Maintenant, c'est fini, hein. Je sortirai tout le temps armé. Hein. Les 10 personnes s'approchent de toi. Papa. Et vous voulez savoir quelque chose? Quoi? De cool. Il y a le PPA. Hein. Oh. Jure! Eh oui. Tu l'as eu comment? Allez faire ça. Bah, à ton avis, pourquoi il travaille pour le gouvernement? Comment ça, tu travailles pour le gouvernement? Bah, attends. Y'a pas moyen, tu me fais un petit filon là, je vais rentrer avec toi là. Je deviens psy pour le président. Aïe aïe aïe. En gros, mon travail avec Lincoln, c'est qu'on est la garde rapprochée du vice-président. Ah ouais, ah, ouais. On a accès à tout. Il y a la voiture. C'est moi qui ai la voiture du vice-président. Mais arrête, mais putain! Toi, t'es bien, hein? Une chica de Perico, regarde. Mais putain, ajoute, s'il y a un truc, genre un coup d'état à faire ou quoi que ce soit, tu peux détruire. Ah bah, c'est notre projet. À ton avis, tu m'as pris pour qui? Arrête. Bah, si. Putain, mets-moi président, non? Non, désolé, j'ai trop regardé Narcos, désolé. En plus, Santito, président de Los Santos. Tout le monde aura le droit d'être armé. La cocaïna sera un des gros marchés mondial. Sympathie, merci. Oh, voir. Oh là là.
Bon, je vais changer de musique parce que là. Musique. Attends, je vais faire rentrer en même temps. Merde. Oui. Je cherche une musique, attends. Musique tranquille, comme d'habitude. Il a dit. Qui ça? Qui a dit son propre prénom, wesh? Arrêtez, wesh. Ah ouais, elle a dit. Arrête. J'ai pas fait attention. J'espère qu'ils ont pas entendu, enfin. Vous, vous croyez qu'ils ont pas entendu, mais ça se trouve, ils ont rien dit, hein. Mais pourquoi je dirais pas mon prénom, je comprends pas. Ah, vous avez pas suivi, je pense, c'est pas ça. Vous savez pas que Irina travaille à Pericos, je pense, c'est pas ça. Elle travaille avec moi, elle. On travaille ensemble, nous trois, là. Ça je pense, vous êtes pas au courant. Ah bah voilà, on croit que t'avais peur de nous faire rentrer. Je me suis trompé de chapeau. Ah t'as mis, ouais, ton bob... Ce qu'il voulait. Faut que j'emménage un peu ici. Ah oui. Ce qu'il voulait te demander, est-ce que dans tes stocks, tu aurais pas une Gusenberg? Parce qu'il a oublié la mine à cailloux. Bah là, j'ai pas là mon stock, faut chercher un caillou, hein. Ouais, parce qu'en fait, il a laissé la mine à cailloux et puis bah ouais, ça fait longtemps qu'il s'y est pas allé. Boum! Voilà. Allez, va aller. Tu veux mettre dans mon sac ou pas? Oh, t'inquiète, je veux le donner, t'inquiète. On va faire le. T'as les munitions? Ouais, j'ai donné une boîte, là. Ouais. Okay. Allez, t'as pris dehors. Celle de fusil d'assaut? Ouais, je crois, ouais. T'as pris des cocktails ou pas? Bah non, ils vont pas prendre ça, là. Ok, ok. Non, non, ils ont pas dit ça à la fin. Ouais, ouais. Ok. Hop là. Attends, il lui dit qu'on revient. Ouais, c'est rapide. Ces cabrons, ils font du jet ski à côté de mon entrepôt là. Non, mais du coup, vous avez vu le petit coup d'avance qu'il y a sur. Mais tu sais pas, toi, c'est qui a eu les armes aux Familiz? Alors, je sais qu'il y a les Feng qui en ont vendu. Mais ils ont ça où Aucune idée. Alors là, je te jure, je vais prendre un fang, je vais le ramasser là, je vais le faire la misère. Bah tu sais lequel il faut choper, hein. Bob. Lequel? Bah Bob. Ah bah il m'appelait tout à l'heure. Bob, viens le donner rendez-vous, on va le faire parler un peu ce Chico. D'où il a des armes, ça sort d'où ça, je vais bien savoir moi. Mais attendez, avis, il passe un coup de fil. Son père, il lui dit pas grand chose parce qu'il le prend pour un con. Le pauvre en vrai. En vrai, à mon avis, c'est. Ouais. C'est pas bon, je vais faire. Je termine une commande là pour un gang là. Oui, t'inquiète, ouais. Et après, quand j'ai fini, je livre. Ok, ouais, on est pas loin de toute façon, t'inquiète. Carré. Carré. Après, on va à l'Unicorn. Ah, illégal, putain, ça tourne bien là, hein, putain. Je vous explique pas combien je me fais la semaine. Hein. Putain, parle quand ton klaxon. C'est pour une entrée fracassante. Là, pour être fracassant. Et fracassant, mais les oreilles. Pas grassant, oui. Ça fracasse. Ça. Et oui. Tu m'as jamais fait. Non, jamais. Alors, putain, c'est quoi cette chose là? Yo, c'est ma chaise pour passer mes pieds. Bon, y'a moyen, on fait ça derrière votre maison ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des chicos là de côté. Là. Pas envie de qu'ils voient ce qu'on vend là, ils vont encore. D'ailleurs, il voit mon visage, ça me plaît pas trop. Ouais. Ah, c'est des gens d'ici, hein. Ah, c'est des gens d'ici, ça. Ouais, carrément. Ah, ok, je savais pas, moi, je vois qu'ils sont là, j'ai cru qu'ils viennent acheter de la weed. Oh, les inconnus, ils viennent pas ici, ils sont vite dégagés. D'accord. Salut, tonton. Hop, je te mets le cash sur la table. Vas-y, je vous montre un peu le joujou. Je vas-y. Sur la table.
Voilà à quoi ça ressemble. Il est content là. De ça, tu sais, mais... C'est monté avec nos soins de A à Z, là. Ça s'enraye pas, bien graissé, ah, bientôt. Yo, tu montes et tu démontes. Ça a bien été vérifié. Ça, c'est ça. Ah, ça va plus démonter. Yo, tu fais des tutos sur YouTube ou pas? Pour au cas où on devrait nettoyer et tout. Tu veux, je ferai des tutos, je mettrai sur le Dark Chat. Vas-y, lourd. Yo, vas-y, carrément. Vas-y. Carrément chaud. Yo, je veux le voir. Ah, vas-y, je donne à toi. Je veux vraiment voir le tuto. Vas-y. Yo, je veux le voir, le tuto. Je donne à toi. Carrément, man. Ah, attends, tu fais quoi? Y'a un problème là. Attends, t'inquiète, attends. Oh là 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 là. Je galérais, mais on y arrivait. Ok. Voilà, et la weed qui va avec. Lourd. Et les munitions. Lourd de ouf, man. Lourd de super ouf. Vas-y, monte à tes chicos, hein. Tiens, ça c'est pour allez, toi. Regardez ça, les man. Ah ouais! Voilà! Family's gang! Là, vous allez pouvoir faire des photos là avec ça! Montrer c'est qui les plus forts! Exactement, t'as tout compris! Et d'après vous, c'est qui les plus forts? Family's gang! Eh ben, c'est nous! C'est les. Quoi? C'est les putains de les putains de Family's! Putain de Family's gang, man! En tout cas, y'en connaît une qui est contente là, hein! Ah, je vais bien dormir! Putain! Mais bien! Et t'arrêtes, et si tu prends ça par contre, t'arrêtes de prendre de la coque. Hein. On a même encore de ça, hein, si vous voulez par la suite. Quoi? Vous savez quoi? Man, on a de la weed pure, on vend ça avec des bangs. Alors c'est encore mais mieux. Ça ouais. Tue sa mère. Hein. Ah ça. Tue sa mère. Ça t'assomme direct. Ah ça, il y en a un bang ça. Yo, la weed pure, c'est 500$. Et yo, le bang. Bang, on vend ça 1500$, mais c'est, t'as vu, utilisable, genre de ouf. Ouais, mais attends, je connais un mec qui les vend à 400$ par contre. Non, c'est ça ton problème, tu connais trop de mecs. Non, tu le connais pas le mec en vrai. Non, je vous assure. Je pense en vrai c'était un rêve, yo, je te jure. Ouais, je pense que c'est la coque qui s'est pas fait. C'est la coque, ça fait monter la tête, tout ça. Je pense vos prix sont. Et c'est Daglox, il est stylé son perso là-bas. Cheveux verts. Non, mais sans vouloir vous vexer. $100. Voilà. Ah, ça essaie de t'arnaquer, là. Ah ouais. Non, mais au moins, on est au courant. Non, mais écoute, laisse-le, il essaie de rattraper les sous qu'il vient de perdre. Non, on comprend. Non, mais il a les man, le bong, c'est $800, la weed, $500, mais c'est de la weed pure. C'est pour ça qu'elle est aussi chère et aussi puissante. Explique-nous un peu comment tu plantes ça. Y a quoi de spécial pour que ce soit si pur? Fort, man. Crois-le fort. Mais dans... là c'est de la pure alors. Yo, je m'en occupe tous les jours. Un jour, regarde-moi Chico. Un jour tu vas craquer, je t'ai dit, tu vas me dire. Couper. Regarde bien mes lèvres, regarde bien mes lèvres. Jamais. T'inquiète pas, je le tiens. Un jour il va me dire, on prend ça, tu sais, on plante comme ça et tout et tout là-bas. Exactement. Ok, vas-y l'or, chaud. Non mais voilà, nous, la, comme je te dis, la weed la plus pure, on l'a fait aussi à $500 parce que t'as vu, on veut pas que les tarots soient trop haut level, mais par contre, ça te garantit un effet maximum. Celle-là est ça, tellement forte, tu peux la fumer qu'en bang. Et attends, il y a une... Attends. Tu chuchotes à l'oreille, là. Ça détend un max ou pas? Ça détend. Yo, man, ça la chica, elle sera détendue. T'es détendu de ta vie. La chica, elle sera détendue, genre, détendue. Comme jamais. Elle comme jamais. Salut. Ok, ok. De partout, man. De partout. Et si elle prend 3 joints, genre. L'effet. Et l'effet, si elle prend 2 joints ou 3, c'est doublé, triplé. Un max de kiff. Arrête. Eh ouais, man. Vas-y, je vais lui dire de la fumer. Par contre, fais gaffe, tu m'excites avec ta grosse voix. Quoi? Quoi? J'entendais un truc, man. Ah ouais. Yo, c'est bon les mains. Ah non, c'est trop. Vas-y, carré, les gens du coup. Je suis mort. Vas-y, carré, on se revoit. Hein. Ah, il est malade, frère. Bon, oui. Oh, c'est bon. Ah, si, c'est bon les mains. Bon, ouais, la prochaine fois, je vais rester dehors. Ça prend une ambiance assez bizarre. On sent le dizzy. Comment yo, l'ambiance raciale, elle a changé. La tension, elle a changé. Ah, yo, j'en peux plus, putain. Joyce, tu pourrais en fumer tant que tu veux.
Autant que tu veux. Faut carrément. Oh bah oui, non, carrément. Ça me rappelle quelqu'un. Ça me rappelle quelqu'un. Yo, merci. Nous, tu m'appelles aussi, c'est ça. Bon. Non, mais c'est son nom de code, vous inquiétez pas. Allez, les mains, je sais pas, je vais vous mettre à la porte. Mais... C'est en anglais, bande ouais, de cons. Allez, soulevez-les. Ça veut dire le jeu. Ça veut dire le jeu en anglais. On se revoit très bientôt quand vous voulez. Oh merde. Ouais, carré, carré, on se revoit bientôt. De toute façon, t'as mon numéro. Bah ouais, lourd. Il dit son nom. Oui, mon BG. Oui. Eh, je vous jure, ça veut dire le jeu en anglais, c'est rien. Pichi, ferme ta gueule, après on est encore dans 3 heures, s'il te plaît, ferme ta gueule. Bon, bah vas-y, salut, Alain. Eh, ça veut dire le jeu, ok. Bonne soirée. Lourd. Toujours plaisir de faire affaire. Toujours un réel. Ouais. Allez. Allez. Vas-y, Titi, en plus. Bonne soirée, les gars. Vas-y, en plus. Mets-toi toujours pour faire le truc en trop. Ouais, non, mais. Arrêtez. Oh là là. Ça arrive. C'est pas simple de faire ça. Oh, je suis mort. Désolé, Joyce. Ouais. Mais tu peux fumer autant que tu veux. Je t'autorise pour me faire pardonner. Fume autant de joint que tu veux. Non, mais ça moi, changera rien en fait. Tu as entendu mon prénom. Non, j'ai dit ça veut dire le jeu. Allons, Nicole. Par contre, faut changer de voiture, non? Au cas où. Vous voulez changer de voiture? Je sais pas. Parce qu'on nous a vu dans le quartier avec ça. Si, si. Ouais, bon, les couilles. Ouais, mais toi. Bah, attends, j'ai ma bille vite fait. Changez-vous. Oh non, moi je suis le non, non. Bah si on va à l'unicorne. Ouais bah après De toute façon faut que j'aille dans un coin, faut que j'aille faire pipi. Ok. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Attends, il voulait dire un truc. Moi il gagne quoi dans l'histoire là? Parce que du coup moi en fait tu veux des j'ai rien gagné. Moi je fais 10. Bah vas-y hein. Tiens vas-y. Mais attends, vous garez comme ça? Mais non. On va chercher après, vous inquiétez pas. Ouais. Ah moi je descends ici. Vous avez l'impression que ça, être une place de stationnement. On se garerait pas là, on est pas garé. Mais si, ils sont garés, ils s'assument pas. Ah non, ils sont pas garés. Ils sont garés là, regarde comme ils sont garés. J'arrive, hein. J'arrive. Elle arrive, elle va se mettre. Bah si, tu n'es pas les courses en Tito. Ouais. Regardez les voitures de folie qu'on a maintenant. La noire être la mienne, la rose être celle de matriarche, capitaine ouais. Avoir une rouge comme ça. C'est une voiture de cool ça? Bah la rose et la rouge oui. Moi ma voiture elle est au garage. Attends je vais la chercher. Tu veux m'emmener? On est parti faire pipi. Tu veux m'emmener vite fait chercher ma voiture? Vas-y. Pas la blanche hein, une autre voiture. Oui. Pour le... Ok vas-y. C'est pour la gauche quoi. Vas-y on fait vite. Par contre, je sais pas si elle est au garage ou à l'assurance. Et l'argent, tu vas la mettre quelque part ou pas? L'argent? Si. Ah ouais, si, j'ai un coffre. Du coup, il est où? Va à l'assurance d'abord, c'est plus près. On va voir si elle est là et si jamais elle est pas là, on va au garage. Je vais sortir mon gesteur, vous savez le Toyota Supra là. Ça c'est bon, ma voiture. On a enfin réussi à avoir le truc. Voiture illégale. De quoi? Ça faisait longtemps, c'est pas le rendez-vous. Ouais c'est vrai, en plus j'ai bien aimé hein, c'était... Ils sont bien accueillants, Ouais, la dernière fois ils sont allés toute seule, c'était très accueillant. Ils sont pas casse-couilles comme les autres là, non, ceux qui font les caïds là. Ouais, les Madrazo ou bien les comment on appelle l'autre, les autres, les bleus là? Mara Les Mara, ouais. Nous c'est le Mara, nous on a on prend Mural Park, mais le Mural Park sur nous. Ah je me suis niqué la gorge là. Ah bah c'est bon. Elle est là, j'étais sûr. Oh elle est là, c'est bon. Ok. Super. On va faire la course avec ça, c'est mieux, tu vois, ça fait japonaise. Parce que là, si j'arrive avec une électrique, je vais tous les fumer, tu vois, c'est nul. Là, oui. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas roulé avec. Papa.
Ah merde, j'ai encore le boost, je me dis pourquoi ça marche. Ah ouais, la différence. Elle est belle, hein. On dirait la vraie IRL. Ah, être en connexion. Non, elle a vraiment du style, j'aime bien. Du coup, l'argent, tu la gardes pour toi? Attends, viens ici, toi. Tu essaies de me dire quoi, là? Hein? C'est une question. J'ai eu combien? 45 000? Une simple question. Divise pour voir, ça fait combien? Divise pour 4 par mois? Non, attends. Non, divise en 2 pour voir, ça fait combien? 45 000, okay, divise par... Divisé par le 2. Attends, je prends ma calculette. Ça fait 22 500. T'es sûr? Non, oui. Non, mais en vrai... Tu donnes 20 000. Donne-moi 10 000. Non, je te donne 20 000. Ah oui, elle était bien. Bon, n'importe, comme tu veux. Même s'il y avait plus de gravité sur Terre... Non, je suis quelqu'un à réglo, t'inquiète. Moi. Ah, ouais, d'accord. T'inquiète. T'es pas obligé, hein. Ouais. C'est toi qui as les armes, hein. Oh, tu sais, je me suis fait pas mal déjà, donc pour le moment, je suis bien, tu vois. Ok. Là, si je te dis, dans mon sac, il est trop là, il faut que je vais déposer. Ah ouais, t'as combien? Attends. Là, je n'en ai même pour le 90 000 dollars là. Dans mon sac. Mais j'ai mis d'un petit compartiment, tu vois. Ah oui, ouais. C'est en. Voilà. Ouais, il faut que je dépose. Ouais. Ok. Oh, Baba, attends, Baba, j'ai un truc pour toi, Baba. Tu as les yeux qui crient braguette. Je peux te présenter ma baguette. Bien. Oui, vous. Pense moi, je suis là. Ah, bah, attends, c'est quoi? Un bâtard de charbon. Tu peux rester avec elle pour t'amuser un coup. J'ai des clés. Attends, j'en ai une. Je vous appelle dans le nom du. Ok. J'en ai une là. J'ai. Alors. Eh, hey, Baka, t'as de belles jambes, elles ouvrent à quelle heure? Oh! Putain, je me fais pousser! Ah, sans ton ouverture dès 21h! Oh là! Y'a quelqu'un qui est rentré! Devine qui joue la saucisse! Baka, t'as changé tes couleurs! Oh, c'est du blanc, c'est pas une couleur! Enfin, c'est du blanc! Oh, désolé! J'étais en noir et j'ai mis du blanc! Bah oui! Trop bah t'as changé tes couleurs! Ouais, c'est ça! Tout à fait! Bah, ça te va bien! Ah merci. Si vous voulez savoir ce que j'ai fait, ça va vraiment bien avec Jason. Non mais voilà. Waouh. Non. Je vais me changer, c'est pas... Oh, et toi t'es trop belle ma petite girlie. Laisse-moi la place, putain. Non, c'est ma place. T'as une... Ouais. Elle me bloque. Rentre dans le cercle. On est plus belle. Ah, moi je regarde le cercle. J'en ai une, elle est sale. Vas-y, on t'écoute. Vas-y. Ah, je suis pas chinois, mais je te boufferai bien la chatte. Ah non, là c'est grave. Là ça mérite un penalty. Ouais, ça va. Je vais poser mon sac. Comment tu peux dire ça? Penalty. Y'a quoi? Oh putain, je suis choqué là. Oui. Si j'avais un chien, ce serait toi. Quoi? Ouais, bah c'est tout. Mais attends, Alex, t'étais pas là, je devais te dire un truc. Pourquoi tu me dis ça? Je l'ai déjà dit à quelqu'un, mais je te le dis à toi. Ok. Alors. Mais il m'a choqué l'autre là, Vitex. J'ai jamais entendu son pas. Tu veux qu'on y aille? Et sinon, ça te dit de jouer au hot dog avec moi? Devine qui fait la saucisse. Ce sera moi. Et toi, tu feras le pain. Ça marche pas avec Sally. Ça marche pas avec elle, elle répond à tout. Vas-y, ma douce. Ah, oh, c'est encore tombé sous ton cerveau. Putain, mais je suis choqué, le gars, ce qu'il a dit là, frère, c'est trop. Imagine-toi, t'es dans la rue, t'entends ça, frère. Moi, je tombe. C'était bien, c'était bien. Sinon, Izia. Tu dois pas embrasser les inconnus, donc enchanté, moi c'est. Non, c'est. J'ai appris que t'as embrassé des inconnus, voilà. Du coup je me présente. Oh, mais arrêtez là pour avoir voyé autant de cœur. Putain, mais l'autre là il m'a tué, j'étais pas. Bonsoir tout le monde. Un petit peu.
Non mais je... tu veux ça avec moi. Tu sais que dès que je t'ai vu, c'est mon cœur qui s'est mis à bander. Oh putain. Ok. Et tout. Ton père, il fait pas des biscottes. Mon père est mort par contre. Parce que t'es craquant. Mais je comprends pas. Enfin, je comprends pas. Elle me clash et ensuite elle dit que je suis craquant. Tu comprends rien. Mais tu comprends rien. C'est bon, je te le redis. C'est des disquettes. C'est des disquettes. Ah, c'est des disquettes. Tout le monde disait que c'est les meilleures disquettes là. Ah, d'accord. D'accord. Moi j'ai une disquette, attends. Attends, Amélie. Moi je suis née pour les. Tu sais que. Si à chaque fois ils vont pas voir. Pousser une fleur, alors la terre sera un immense jardin de roses. Oh, c'est le truc le plus mignon qu'elle a. Les gars, donnez-moi des disquettes, oui, les gars. Oui, là, oui. Donnez-moi des disquettes. Petite question, c'est qui ça? Salut. Ouais, c'est moi. C'est Alicia qui a commencé. Ça va? Bien, toi. De quoi? Ouais, ça va. Donnez-moi des disquettes de bof, là. Des trucs drôles. Bon, pas trop abusé non plus. Allez, que quelqu'un mette ses disquettes. Santito? Quoi? Viens casser les lattes de mon lit. Vu ton poids, t'as déjà cassé toi-même. Wow. Non, j'en rigole. Ah, pour le coup. Non, j'en rigole. Non, je voulais pas dire ça, excuse-moi. Bah, tu l'as dit, hein. Vous l'avez dit, hein. Non, mais non. C'est des larmes, là. Ouf. Moi je suis mais elle est un peu limite. Non, vas-y, Joyce, après ce que j'ai dit. Joyce, attendez, j'en ai une là. Ouais, mais en fait, c'est. Dès que je croise ton regard, ma culotte passe en mode météo bretonne, humidité maximale. Mais depuis quand tu fais des blagues comme ça, toi? Non, je suis choqué. Dans ma défense, je n'en fais pas, mais je l'ai entendu une fois. J'en ai une si vous voulez. Putain. J'ai un problème avec mon portable. Il manque ton numéro. C'est beau. J'ai rien compris. Ouais. C'est beau. Santito, je t'applaudis des deux couilles. Quoi? Bah d'habitude t'as applaudi des deux mains, bah là t'applaudis des deux couilles. Du coup ça fait quel bruit? Ah bah ça j'en ai aucune idée. Ça fait des sympas. Plop, 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 un truc comme ça, non? Clap, clap. Moi j'en avais vu que Joyce elle l'a pas entendu, je peux lui ressortir. Oui. Allez, moi aussi j'ai pas entendu. Alors, en tout cas Joyce, t'as de belles dents, hein, j'en ferai un beau collier pour ma bite. Oh, oui, un classique. Un peu de bassine et ça passe. Oh là là. J'ai jamais entendu des trucs comme ça, putain, je suis choqué. Non mais là c'est la disquette, c'est pas merde. La première Joyce fois, hein. C'est The Joyce. Disquette. Ouais. Montre-moi ton âme nue et je te dévoilerai mon corps. Oh. Ça c'est plus sensuel que bof. Ta culotte c'est comme la météo, quand c'est humide il faut rentrer. T'inquiète. Oh, non là c'est trop là. Et ton père il travaille à Nintendo? Si j'en crois encore. Je prends ton corps de BS. C'est cool. Ah, pas mal. Joyce, tu sais, j'ai beau ouvrir tous les frigidaires du monde, mais rien n'est aussi frais que toi. Moi j'aurais dit autre chose pour la Nintendo. Hein. Moi j'aurais dit autre chose pour la Nintendo. Hein. Vas-y, dis-moi. Du style, je te rentrerai mon stylet ou un truc du genre. Oh. Wow. Je te mets ma cassette. Mais on est d'accord, la Nintendo, il y a les stylés qu'on met sur le côté là. Oui. Je te mets ma carte mémoire. Attends, mais dans Nintendo, il y a tout qui entre. Il y a même le jeu là, tu sais, le truc derrière. Même les jeux de Game Boy, on peut mettre dessous. Il y a trop de trous. Amélie, ton père, il aurait pas fabriqué le Titanic. Parce que franchement, tu fais chavirer mon cœur. Moi j'ai une. Franchement, ça vient, je les connais. Next. J'ai une. Vas-y. Si ta jambe droite c'était le repas du midi et ta jambe gauche celle du soir, j'ai grignoté entre les repas. Hey, Izzy. Merci, toxique. Tu serais pas une crêpe? T'es qui alors? J'ai envie de te retourner. Tu veux m'aplatir, c'est ça? Bah viens. Y'a des gens que j'ai jamais vus. Oh! Ah! Ça a marché? Ah bah bonne spécialité. Alors, les crêpes. Attends, je vais dire ça à Gabriella. D'accord.
Bon ben moi je vais y aller, tu viens. Eh hey, Gabriella. Oui, on va y aller. Non, non, non. Oui. Oh là là. Vas-y, j'écoute. Non, c'est bon, je peux pas. Allez, bah non, c'est... Il y a quelqu'un qui a déjà fait celle des biscottes. Ouais, ouais. Non, Gabriella. Ah oui. Non, 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 non. Non. À ce point-là. Ah, c'est hyper grave là. Et j'en ai une autre aussi. Ah, j'en ai une. Non, vaut mieux pas. C'est celle du parasol ? Non, c'est celle de Google. Attends, dis-moi okay. Que tu en penses. Elle est déjà faite. Elle est déjà passée celle-là. Par quatre, tu en penses. Vous voulez celle du parasol ou pas ? Les amants, mais pas la trique. Ta mère, c'est pas un parasol ? Car ta beauté, elle fait de l'ombre aux autres. Oh, techniquement, ça va. Fantito, Amélie, spécial de lounge. Allez, ok, j'arrive. Ok. Oui. Je reviens. Sexuellement sympathique. Oh. Oh là, elle a poussé sexuellement. Hey, Gabriella. Gabriella. Bonne soirée. Bonne soirée. Gabriella. Oui. T'as tellement un beau cul, ça serait dommage de s'asseoir dessus. Hein. Non, ça je ne peux pas. Ah, monsieur Santito, vous aussi vous êtes un chinois. Non, non, non. Ah, parce que c'est je dis les trucs que vous dites, moi, je sais pas, moi. Y'a pas d'autres, les gars, un peu plus drôles. Les amantes, mais pas la traque, viens, je vais te dire la vérité. Pardon. Vraiment, ah, cette musique va me casser quelque chose comme l'entend. Oh là, attends. Oh là, la famille. Oh là, le Santito, regarde de moi. Mon stage, à la stella, la. Là, regarde-moi, Santito. Ça ira. Je suis un peu trop près d'elle, hein. Oui, on est d'accord. Tout le monde s'assoit sur les tables, mais pas sur les. Donc, je confirme. Il a commencé à te faire des bisous d'un coup, tu vas pas comprendre, hein. Comme ça, je suis au milieu, tu vois ce que je veux dire. C'est Alicia, hein. Ah ouais. Technique, c'est technique. Ouais. Non, mais c'est je suis sûr. Au milieu de mon attention. Non, non, mais j'y vais pas, hein. Mais je te conseille de pas y aller. Ah ouais, ouais. Vous voulez pas que j'y aille ? C'est bien. Vous me conseillez, c'est bien, merci. Bah, je protège ton cou. Oui, bien sûr, il faut protéger parce mon cou. Parce que là, ton cou, il va y rester avec elle. Hein. J'aime pas tous les vampires. J'aime pas tous les vampires. On est venu ici d'ailleurs. Frère, des fois, je me dis, notre cerveau, il y a plus de filles que de mecs, frère. Choqué. Là, vous participez tous. Bah, moi, je participe. Attends, je vais compter, attends. 1, 2, 3. Attendez, j'arrive. 3. D'accord. T'as dit quoi ? Ils sont abortés, 3. Ça va et toi ? 4. Ouais, 5 que je viens de me faire engueuler par ma 5, 6, 7. 8. Déjà 8 là, les gars. Déjà 8. La matriarche, okay. Attends. 8. 9. Et n'en parlons pas sur le reste du serveur. C'est bien, ça crée de la mixité. Et franchement, c'est top. C'est trop top. Ah! Moi, c'est ouais, désolé. Je te pardonne. Là, pour ceux qui pensent que les filles jouent pas aux jeux vidéo et tout, regarde la preuve. Quoi ? I wanna be safe. Papucine. Pourquoi elle est... Ah ouais, non. Oh, d'accord. Elle me fait rire. Oui. Pour pas venir avec moi deux secondes, je dois vous expliquer un truc. D'accord. S'il vous plaît. Bah nous aussi on voulait savoir. Qu'est pas ça. Bah, en fait, venez, on va là comme ça, je vous entends bien. Bah, je tenais à m'excuser d'avance parce que la dernière fois, en fait, j'étais avec le capitaine à l'hôpital. Il a parlé à votre femme. Et en fait, je voulais m'excuser parce femme. Que j'ai demandé à... vas-y, continue. Elle m'a dit que c'était votre femme, du coup... en fait, je savais pas. Quelle en fait, femme au début, elle m'a dit Joyce. Ah, mais t'inquiète, en fait, c'est que j'ai dit à capitaine, je disais qu'il a très jolie dame, et fais attention, c'est la copine Santito. Du coup, je tenais à m'excuser d'avance. Ah, ouais, mais t'inquiète pas, je te pardonne. Ah, je préfère le dire, parce que capitaine peut-être pas dit à vous, mais je veux m'excuser, parce que c'est pas bien ce que j'ai fait. Ah, mais je savais pas. Non, mais Darkseid, frère! Et oui, j'ai vu, Inès, j'ai vu. Je vois, vous inquiétez pas. Non, c'est voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci.
Mais c'est je me sentais offensé. Non, venez, ça va, allez, viens, je te prends par l'épaule, là, tu crois, allez, t'inquiète. Mais Darkseid, là, par contre, le tien, c'est hardcore. Je suis choqué, frère. Elle a dit juste qu'elle se mette là derrière. Ah, non, je peux pas dire un truc comme ça, frère. C'est... Ah, je peux pas. C'est trop. Non, c'est... Bah, je peux pas. Bah, il a dit non, désolé. C'est au-dessus de mes capacités. Bah, je sais pas. Bah, demande pourquoi. Mais... Attends, je vais aller trouver, moi, tu vas voir. Bah, mais appelle-le au pire. Oui. Garde ma place au chaud. T'inquiète. Baka, garde ma place au chaud. Si, je garde ta place au chaud. Bon. Mais il en... Ça il va, l'heure est grave. Ça va être. L'heure est grave, nous sommes tous ici réunis pour quelque chose de très très grave. C'est pas vrai, je voulais vous parler. Bah, t'es arrivé. Bah, c'est pas que je voulais parler. Bah non, mais je voulais juste parler parce que j'aime pas quand il y a des blancs et après moi quand je parle parce qu'il y a des blancs. Comment ça t'aimes pas quand il y a des blancs? Hein? T'es rasta? Mais, quand... oui. Mais non, parce que quand. Mais j'aime pas quand il y a des blancs. Hein? Ah oui. Waouh, wow, bah, oui. C'est vraiment choquant. Putain. Pourquoi je vais te dire ça. Pourquoi? C'est raciste. Bah, on est quasi tous blancs ici. Raciste envers les blancs? Les blancs, vous dire, les blancs? Mais non! Moi j'ai pas d'accord. Quand il y a des blancs. Non mais on l'a entendu. Mais moi, j'ai non mais des blancs, des blancs, c'est quand il y a pas. Non mais c'est dit. Non mais blancs, c'est toi Bacayalo qui parle. Non non mais c'est trop tard. Mais moi je suis pas raciste. Si t'es une rasta Bacayalo. Non toi tu pues, tu me parles pas déjà. En plus elle a dit qu'il pue. Bacayalo t'es trop moche. Tu pues. Je déteste Bacayalo. Il est allergique à l'eau, moi je te déteste. Il est allergique à l'eau. Bah c'est toi. Il traîne. Ah, si toi, là, on parle, parce qu'on n'aime pas les blancs. Ah, oh bah voilà, elle recommence. Non, c'est que oui. Toi qui aime pas les blancs, nous on aime bien les blancs. Oui, elle sort des trucs quand je suis en train de boire de l'eau, frère. Quand il y a des blancs, je parle, et après, souvent, c'est des conneries, on me dit pourquoi tu dis conneries, Bacayalo, t'es blanche, non? Ah, bah tu veux que je parte? Mais non, mais oui, c'est blanche. Non, tout le monde s'assoit, allez. Mais non, les blanches. Mais c'est pas les blancs, quand y a personne qui parle, blanc. Ah, tu veux que tout le temps quelqu'un parle? Ah oh, ouais, donc. Bah ouais. Oui, parce que c'est pas, parce qu'après quand y a personne qui parle et qu'il y a des blancs, c'est moi qui me retrouve à parler pour pas combler les blancs. Fromage, Baka. Ah. Arrête de bouger. Il y a mieux dans la salle. Tu veux qu'on parle de quoi? Ah ben je sais pas, parce qu'après si c'est moi qui trouve un sujet, je sais que je vais dire une connerie. Ouais, et après capitaine, il va pas être content, il va dire Baka Yalo, toi t'es penalty ce soir. Et voilà, et moi j'ai pas envie de prendre penalty. Toi, tais-toi, arrête d'ouvrir la bouche, tu pues! Hein? Oh, bordel! Oui? Elle me fume, frère! D'accord! Ok, moi, je suis. Je dois regarder mon Discord, là, frère! Darsa, il a déjà fait plein de clips, là, putain, je suis mort! T'es un fou, ma parole! Aïe! Oh, t'as vu? Il est vif comme l'éclair! La plante, elle a failli faner à côté! Baka! Mais la ferme, Bacayalo! Préviens qu'elle conduise! Encore. Ah non, mais c'est d'accord! Tu capitaine, les filles! Juste 3 places en plus! Attention, là, c'est ma place! Qu'est-ce que. Total Spice! Putain, je vais peut-être me pousser un peu! T'inquiète, tu me seras pas perdu là, Aya! Non, il me pousse un peu aussi! Vous me gênez pas, ça va, je peux pas! D'accord! Tu peux s'écarter, j'en peux plus! Bah, je mets la viande à l'air! Quoi? Mais faut se calmer, hein! Elle a vraiment pas tort! Vas-y, Gabriella, je t'aide! Mais Gabriella, mais tu te rends compte que. Oh là là! Ça va, Géo pose la chatte galope! Non, mais je la connaissais, mais je l'ai jamais connue comme ça! Ah, tu sais comment ça se passe? Tu sais, quand une fleur ça s'ouvre, tu t'attends à des dingueries, hein! Ouais, tu t'attends à ce qu'elle vienne. Une abeille vienne butiner, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, un peu plus de sérieux. Un peu plus de sérieux. On se tait maintenant, s'il vous plaît. En même temps, quand on voit les photos. Écoutez. Joyce, calme-toi là. Vas-y, mon gars, t'es bon. Plus sérieusement, si vous êtes tous ici présents, c'est pour une seule chose. C'est que là, le milieu underground va prendre un envol. Les courses de rue vont bientôt arriver. Yeah. Ça. Et pour ça, il va falloir des coureurs, vous comprenez bien. Il y a des voitures qui commencent à être préparées, des voitures qui commencent à être montées, justement pour ces courses. C'est bien ça. Donc ici, ce sera la prémisse de beaucoup de coureurs pour entrer dans ce milieu underground. Vous comprenez bien que ce soir, donc je vais laisser la parole à quelqu'un ici présent. C'est un gérant de course de rue. C'est le mec derrière. Je pense un peu mieux présenter le speech de ça. Mais moi, mon travail, c'est de vous regrouper. Une course de rue, les gars. Je vais laisser la parole. C'est stylé, ça. Monsieur derrière moi. Du coup, est-ce que tout le monde m'entend bien? Ouais. Ouais. Oui.
Du coup, comme mon cher collègue ici a expliqué, les courses de rue sous en forme. Bon, il y a du circuit sprint contre la montre. Bon, bien entendu, c'est pas sur circuit, donc pour tous ceux qui ont peur de la police, vous pouvez déjà sortir. Sans... Virus. Excusez-moi, monsieur. Mais j'ai du mal à vous comprendre. Ah d'accord. Comment en fait, on n'a pas de montre. Réogier, si t'as le temps pour des blagues, t'as le temps de prendre une montre. D'accord. Écoute, taisez-vous. Pour tout ce qui est les courses de rue de base, les premières courses vont se passer avec de l'argent. Il y a frais d'inscription, le gagnant remporte tout. Vous connaissez, c'est une méthode classique. Par la suite, plus disons que les courses vont se faire et plus on va sélectionner des pilotes parmi ceux-là, il y aura des grandes courses. Quand je dis des grandes courses, c'est des courses d'une demi-heure, une heure minimum en centre-ville. Mais les gains sont beaucoup plus gros. On parle à ce moment-là de tout ce qui pourrait être soit des armes ou quoi. Pour les connaisseurs ou pour les intéressés. Comme le collègue a dit, les véhicules qui sont en cours de préparation, ça vous trouvez par qui ou comment? Mais je pense que vous savez de quoi on veut dire quand c'est en cours de préparation. Des gens ont des questions déjà sur ça. Ah ouais, j'ai une question. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui, dites. Les voitures, c'est vous qui fournissez? Tout dépend du type de course. Et maintenant, c'est des voitures que je fournis moi-même, c'est des courses avec des petits gains. Vraiment pour la course. D'accord. Place. Parce que moi, je suis plus pour ramener une voiture type plus street, tu vois. Jamais ça peut me servir. Oui, il n'y a pas de restriction sur les courses. Sauf si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en galère de voiture. D'accord. Mais bon, à ce moment-là, tout peut s'arranger. On peut vous mettre une voiture en prêt, mais la voiture peut subir des modifications aussi. Mais si jamais vous prêtez, il y a bien une caution, je veux dire. Si. On parlera de ça au moment voulu. D'accord. C'est pour ça. Disons que c'est mieux quand même que vous ayez vos propres voitures, mais si maintenant, et que c'est pas facile pour tout le monde, ben, les voitures peuvent être prêtées par mes soins. D'accord. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Ah bah, des petites questions. Dites. Ah, pour savoir, comment on va savoir du coup quand est-ce que la course est organisée? Tous ceux qui sont vraiment intéressés seront prévenus. Il va y avoir un chat sur votre téléphone qui va être ouvert pour vous. Et pour tous ceux, à part pour mon collègue à droite. Lui, c'est un truc que j'ai vu à part avec lui. Et pour toutes les personnes ici, ça va se passer via un chat commun. Maintenant, ceux qui veulent prendre rendez-vous, vous avez juste à trouver. Donc maintenant, quoi, ceux qui veulent courir, et j'ai bien dit ceux qui veulent courir, hein, moi je suis pas là pour faire de la dentelle, vous sortez vos téléphones, vous allez dans l'application chat. Non mais tous ceux qui veulent pas courir, sortez, ce sera plus simple. Mais après, ouais, on voit déjà après il y en a deux, trois, qui viennent observer, peut-être que le milieu underground vont les intéresser plus tard. Donc, oui, bon, mais ça, ils viendront en tant que spectateurs au moment voulu. C'est ça. Donc bon, les coureurs, vous sortez vos téléphones, vous allez dans l'application chat, pas passer 50 ans non plus. Donc vous allez dans l'application chat et vous tapez Racing, R-A-C-I-N-G, Racing. Ne vous amusez pas à mettre des points ou etc. Vous rentrez dans le channel, tout simplement. Vous tapez tous Racing. Ouais, c'est bon. Carré, maintenant je vais envoyer un petit point pour éviter qu'il y en a 15. Attends que tout le monde rejoigne. Voilà, on va attendre que tout le monde rejoigne, je vois que les téléphones sont encore levés, j'attends un petit peu. Application non mais on reste sur l'application, c'est pas ça. Après vous allez comprendre que vous avez même pas besoin de toucher vos téléphones, regardez. Vous avez tous reçu un petit bip. Ça veut dire que les courses commenceront. Super. Il y aura des annonces. Pas besoin de regarder votre téléphone, restez sur l'application, vous allez juste entendre bip. Vous savez que sur le Dark Chat, il y a un truc. Donc on commencera à annoncer des courses, etc. Donc comme a dit mon collègue, petit au début gain, pour
pour commencer petit à petit à laisser le temps à des personnes qui vont essayer d'exceller dans ce milieu underground de course, pour faire leur véhicule. Donc au début, ce sera soft. Après, bien, vous comprenez bien que même si c'est on commence après, soft... Après, il est bon pour les trucs drôles, enfin les... sera, du coup, les blagues, là. Tout à l'heure, quelqu'un, il arrive... De la rue. Imagine, t'as un nouveau qui arrive sur mon chat, il voit ça, frère. Donc, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça vous, si vous l'avez au cul. Mais c'est le but. C'est bon, c'est bon. C'est ça. C'est la rue, la vraie. J'ai pas envie qu'on croie que... Pour voilà. Moi, le speech, c'est bon. Je laisse les dernières petites... Voilà. Petite parole à mon collègue. Ensuite, je vous laisse profiter pleinement de la soirée. Je retiens. S'il y en a qui veulent... Oui. Ça commence à quelle heure? C'est pas aujourd'hui. Ok. Ouais, moi aussi, j'ai une question. Les informations, oui. J'ai encore des amis qui ont des Dodge, etc., qui seront intéressés pour ce genre de projet, qui sont pas là actuellement. Qui c'est que je contacte pour les faire entrer là-dedans? Racing, Darkshot Racing. Je fais passer un message. De toute façon, on va pas se mentir qu'on soit tous honnêtes ici présents. Bon, il y a peut-être pas des snitchs ici présents, ou peut-être rien à, j'en ai peut-être rien à foutre, je vous pisse dessus les snitchs. Mais vous comprenez bien que ce Darkshot sera tôt ou tard mis aux mains de la police. Donc à chaque course, il y aura les flics directement. Et c'est ça qui rend l'épice au sein de la course. Tout cette testostérone au sein d'une course et d'une os. C'est ça. Donc vous comprenez bien un petit truc. C'est que là, le Darkshot Racing, faites-le tourner à tout le monde. Il n'y a aucun problème. Mais vous comprenez bien que plus vous augmentez le cercle de coureurs, plus vous avez de chances que les flics ont cette petite information. Compris ? Voilà. Voilà pour moi. Il y en a qui ont des questions plus personnelles et qui veulent pas les poser en privé, vous me le dites. Vas-y Inel, pas de problème. Ah, c'est juste trop bon appétit. Dis-nous ce que tu vas prendre. Donc curieux moi. Bah du coup, si y a les flics, c'est encore mieux. Bah, dis-nous quand t'as pris. Si on finit premier, ça veut dire qu'on a encore mis plus de bouchons à tout le monde. Il y a des concurrents en plus qui se rajoutent. Mais si tu te tapes un mur, ça casse prison. On va l'oublier ça. Ah ouais, t'es vrai, t'es pas fou. Donc bon, il y en a qui veulent poser des questions plus privées, entre guillemets, en dehors du groupe ici complet, vous me le dites maintenant et on s'éloignera, on aura une petite discussion. Ensuite, faut pas oublier un petit truc très simple. Hein, vous dites peut-être, ouais, mais je dois économiser pour m'acheter telle voiture. La voiture rouge que vous souvent, peut-être vous avez déjà vu avec, voiture 100% illégale. J'ai pas mis un seul point d'argent que je l'ai acheté au Concess. Moi, si c'est sur une course, les flics me pètent, bah, j'aurais perdu ma voiture. Donc vous comprenez bien, soit vous achetez votre propre voiture avec vos clés, soit vous prenez votre voiture, soit vous... Et Darkside, j'ai une question, le chat il est réglé à quoi là? Il y a des secondes pour écrire ou pas? Juste pour savoir, comme ça je suis au courant. La perte est plus grande. Le chat il est comment là? Il est en... Ça rend plus de peps. Donc voilà, c'est ce milieu que peut-être certains se plieront, certains s'énerveront, certains perdront. Mais... Comprenez bien, c'est ça le truc, le milieu underground. Donc voilà, messieurs, dames. C'est pour aussi tous ceux qui sont vraiment fans de courses, j'ai oublié de préciser, il y a des courses à carte grise. Mmh. Ah ouais? C'est bien. Ça veut dire quoi, ça? En gros, il faut être prêt à perdre vos clés. Ne lui dites pas, elle va faire... Ça mise la voiture. Bah, si on a fait les fils, comment on fait pour donner carte grise par contre? Non, c'est des véhicules qui seront contrôlés pour être sûr qu'il y ait les papiers et les clés. D'accord, mais ça c'est très véhicule pour faire test de cette course. Donc voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Des autres courses seront dans l'avenir, mais. Donc, mais j'ai une question pour les courses à carte grise. C'est quoi? Dis-moi pour les cartes grises là en question là. On est d'accord, c'est des courses duo? On verra à ce moment-là. Je crois que perd pas tout le monde dans la pièce ici à une voiture à Paris. Ouais. Je pense pas. Sauf si je me trompe, peut-être. Ah, pas encore pour moi, mais bientôt. Bon, là, il va bugger, non? Du coup, personne n'a de questions plus privées? Non. Ah, c'est moi qui voudrais voir privé après, s'il vous plaît. Bon, moi pour aussi. Les autres, allez profiter de avec Bacaro, ma charmante serveuse, au bar. Donc, allez-y, ma chérie, la soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Ferme ta gueule. Yassou. Bien fait pour toi. Bon, je laisse le lounge disponible pour la personne derrière moi.
les autres personnes qui ne veulent pas te poser des questions, vous comprenez bien que je vais devoir demander de sortir. Voilà. Ouais, ça, j'ai eu une coupe. J'ai des micros coupures, je sais pas pourquoi. Dans le milieu underground, en fait, la fibre, c'est ça le problème. Voilà. Des fois, t'as des pètes de lumière, c'est de la lumière, ouais. Des pètes de machin, là. Avance. Pour aller où? Avance. Bah, tu veux pas boire un coup? Ah oui. Allez. Oh, pardon. Tu veux boire quoi? Attends, je change la musique parce que là... Mais est-ce que t'as raison? T'as quoi comme alcool? Comme alcool, bah des cocktails... Alors attends... Un whisky pour moi. Bah, je t'ai commandé un coca. Whisky! Hein. Ah, écoutez, madame, je dois faire prendre son temps, patienter. Je vais aller dehors pour ça. Ah, mais mets-toi dans un coin. Tenez. Ou là, je me mets dans un coin à l'entrée. Au pire, non, non, si non, j'ai... pas ici. Faut faire ça à l'extérieur. Ah, vous avez 40 dollars. Je vais dehors vers les voitures et puis au pire, comme ça, si jamais. Eh bah, ça fait 80, s'il vous plaît. Vas-y, tranquille. Bien, elle a pas fait comment elle a pas cherché les frites sous la table. Hein. C'est bon, bacalao, ça va mieux. Ouais, j'ai soufflé un peu dessus et c'est bon. C'est bon, tout est parti, bien. C'est oui, c'est bon, il suffisait juste un peu de souffler et c'est bon, c'était mangeable. Tiens, Baka. Tu les as servis? Ah oui, c'est bon, j'ai servi. Oui, c'est bon, ça va alors. Tu veux quoi, tiens? Ah, j'ai des trucs de licorne. C'est de l'icône. Tantito, il faudrait qu'on aille faire ce qu'on a à faire, non? Oh, ouais. Oui, tu vois que. Ah ouais, je prends un petit coup. Faire quoi? Ah oui, putain. Bah, lui... Alors? Oui. Oh, t'es sûr? Oui, oui. On va pas les laisser passer. Attends, je vais pas avoir aux yeux. Okay. Vraiment.
Et j'espère que j'ai... Viens, viens. Kiwi. Oui, ça les petits kiwi. Mais il t'a passé le coup. Il est là le coup. J'espère que j'ai rien. Attends, les flics ont rien sur moi, hein, si je me fais arrêter. Ah, voilà. Mais du genre quoi? Je sais pas, moi, on sait jamais. Imagine-toi, ils me cherchent depuis le début que j'avais planté Adrian. J'ai pas fait exprès, là, tout ça. Ah, j'espère, hein. J'ai pas envie de te voir faire de la luse en pleine route, hein. Oh putain, tu crois? Bah, je l'imagine. Non, mais alors, attends, depuis le temps, ça veut dire qu'ils sont inefficaces, alors. Ah oui, hein. Oui. Bah, on va aller voir, hein. Bon, tu sais faire la tortue. What? Peut-être on dépose tout ce qu'on a dans ta voiture. Mais du ah coup, oui, ah oui, voiture. Oui, si ça, mon voiture là. Tu sais quoi, on va prendre ma voiture blanche. C'est pour ça que t'as le pif rouge. Il parle fort. Non, ouais, il parle fort. Comme d'hab. Ah, non, j'ai pas parfois. Ok, bah alors c'est moi, parce que je t'entendais de là-bas. Ah ouais. Non, j'ai une voix qui parle. C'est ça. Non, on va aller voir les Poyos pour l'histoire de Jefferson. Hmm, on va aller voir les Poyos pour l'histoire du truc là. Le kidnapping. Ah, ça sert à plus à rien d'avoir une casquette après. Bon, allez-y. Hein. On va voir ce qu'ils ont. Hein. Laissez faire la justice. De toute façon, si jamais il m'arrête ou quoi que ce soit, il va te prévenir. Vous avez jamais vu faire du style avec. Ouais, par contre, tu prends pas la casquette de sécurité. Hein, hein. Quoi? Non, non, j'ai pas pensé. Ouais, je prends pas ça. La blanche. Ouais, je prends la blanche. Ah oui, c'est bien. Je veux bien être récupéré, mais si tu te fais tomber direct. Ouais, on va déposer ça. Allez, vas-y. Je pense que lancer une attaque sur le PDP, c'est pas ouf. Ouais, c'est sûr. C'est pas bon. Bon, vas-y, je vais. De sécurité. Ouais, ouais. Regardez sur derrière, peut-être il y a un truc qui vous intéresse. Ah ouais. What? What? Putain, j'ai sursauté. C'était quoi ça? C'est quoi ça? J'ai pas. Attends, vite. On ça se trouve, il y a quelqu'un qui a foncé dans la station, attends. Arrête. Je te jure. Ah, ça vient pour moi. Oh, la station là. On va crever, ouais. Tu es sûr que quelqu'un a pris la station, non? Même pas. Non. Bah, je sais pas, alors. Au pire, on va récupérer ma voiture au magasin de vêtements et on y va avec ma voiture, non? Tu es encore là, hein? Ah, magasin de... Et t'entends les sirènes? Vas-y, Molo. J'entends, mais je vois rien. Oui, non, bah... Ils sont sur la rue de la droite. Je vois là-bas si ma voiture est encore dans le parking. Ils sont encore là, tant mieux. Hein. Prends ça. Hein. Oh, c'est possible. C'était ici? Ben non. Ouais. On est plus là. Mais j'ai pas. J'étais sûr que je vais déposer ma. Ouais, au pire. T'es où, magasin de. Mais toi, t'es sûr qu'elle est là-bas encore? Bah, c'est plus probable. Y'a du passage là-bas. Quel bruit? Ah, l'explosion. Et genre, tu leur dis t'es pas venu hier parce que t'es... T'en fais chier. L'ego, l'assurance. Allez. Tu leur dis t'es pas venu hier parce que t'étais genre mal en point. Hein. Bah oui. Tu t'es pris... Tu sais ce qu'il m'a dit... Jack William, ça reste entre nous. Hein. Ouais. Il a dit comme quoi, ouais, j'aurais pas dû sortir de l'hôpital parce que le flic il me cherchait, je sais pas quoi. C'est pour ça que je me pose des questions, toi. Bah, pour t'interroger, tu t'es pris des balles. Normal, hein. Les armes à feu sont interdites, hein. Ouais, on va voir, hein. Mais j'ai pas envie de faire l'interrogatoire, je te jure, ça me fait chier. Bah, écoute, il faut bien passer par là. Parce que là, ils vont savoir que j'ai planté Adrian, mais ça fait longtemps, toi. Bah, ça fait bien, enfin. T'as qu'à dire que t'étais bourré et qu'il a jamais pris. C'est à qui ça? C'est quoi ça? Comment on fait avec ça au pire? Ah mais on a pas les clés. On va déplacer. On va pousser, hein. Pousse. D'ailleurs, j'ai quoi dans le coffre de cette voiture, moi? Parce que. Ça va. Ah non. Oh mon dieu. Je vais fermer, hein. Voilà.
qu'est-ce que tu fais? Mais merde. Qu'est-ce que tu fais? Oh merde, j'ai voulu passer, tu vois, juste dessous. Mais mais d'où tu passes? Bon, démerde-toi. Démerde-toi avec la voix. Arrête de faire Spider-Man là. Non, mais ça marche pas. Putain. Et en vrai, j'y pense. On peut faire ça avec des voitures, on peut faire ça avec un casier. Genre, on va faire des courses. Là, j'ai mon mollet, il tire, j'ai peur d'avoir une crampe. Attends, je bois de l'eau. Bon. Ah. Attends, je bois de l'eau. Et ça tire. Je te montre un truc. Hmm? Regarde le logo là. Ça te rappelle un truc? Quel logo? Là, le logo, le triangle. Explosif. Ça veut dire que c'est explosif. Ça te rappelle pas un couillon qui a tiré dedans? Oh. Non. Franchement, là, je vois pas du tout. Tu vas rester derrière ou bien? Mais attends, je mets mes trucs dans le coffre. Ah, d'accord. Tu devrais faire pareil, tu vas faire ça où, devant le commissariat ou quoi? Bah, de quoi? Tu vas me dire que t'as pas d'armes sur toi. On va aller déposer au coffre. Bah, de quoi je parle? Ah, oh, bah, vas-y, alors attends, je vais le faire. Na. Dépêche! Dépêche. T'es pressé? Hein, sans Toto? Ça, six derrière là. Oh bah, j'avais envie, ça change. Il va faire déséquilibrer la voiture là, putain. Derrière ouais, et après. Bon. Putain, quand je pense la voiture, je suis désolé à hein, la personne qu'elle est. À Paul. Vraiment. Tu veux que j'aille la fermer? C'est bon, j'ai fermé. Elle mange plus que l'autre, là, putain. C'est abusé. Non, c'est pas abusé, c'est une Tesla. Tesla? Ouais. Ouais, ça se voit que c'est une Tesla. Le châssis, c'est pas trop son fort. Hein. Et dis-toi que s'il me repose des questions, je me souviens même plus de ce que j'ai dit avant-hier. Putain. Oh, merde. Je suis en train de me dire là. Mais qui a dit que c'était les Jefferson? Le premier qui a vu bah. C'est qui? Bah c'est moi parce qu'on allait là-bas. Ok ok. Moi juste pour savoir comment je vais interpréter la chose, tu vois ce que je veux dire? Moi j'aurais dit qu'on allait à un rendez-vous Ouais, c'est ça, c'est ça. Tout à fait. T'as vu le bruit de la voiture, frère? Un truc de ouf. Auto de flamme et tout, 2JZ. Je jure. Tiens, quand ça passe à côté, on dirait un avion de chasse. Ah ouais, tu vas... Wow. Je regarde si c'est tout terrain. Ah ouais, bah là... Ah le bâtard. Il a comparé la voiture à un aspirateur. Est-ce que j'ai des trucs là-dedans, moi? C'est quoi encore le code? 5577. Moi, j'ai déposé quelques trucs, là. Pas rentrer avec une grenade, tu vois. Prendre d'arrêt, pareil. Ah,
Alors, tu crois que je me fais emmerder si je garde des joints? Oh, vas-y, je vais en garder deux. T'es sûr? Ouais, j'ai la flemme de revenir l'aller chercher. Hein. Ouais, de toute façon, pas de fouiller, je pense pas. Bah, là, et tu sais que quand je suis allée le jour où t'as disparu, j'ai même pas réfléchi. J'y suis allée, j'avais une AK dans mon sac. Hein. Quoi? Je te jure, t'es malade la vie. Au moins, tu pourras dire à tes enfants que tu es rentré dans un commissariat avec une AK. Ouais. J'avais tellement peur de pas te retrouver. Oh. Et ça fait quoi de m'avoir retrouvé? Bah, je suis contente. Ah, d'accord. Cool. C'est tout? Hyper contente. C'est déjà pas mal. Il est posé quoi encore là? Kandare, il est où? Ah, c'est dans les armes. Pas trop de cigarettes là. Mais frérot, une Tesla, c'est... Moi je kiffe. En fait, moi je vous dis clairement, s'il faut acheter deux voitures dans ma vie, parmi les deux, il y aura une Tesla, c'est sûr. C'est sûr, mais pas la Tesla comme ça. Je veux la Tesla la plus rapide, moi. La Roadster. Et à côté de ça, je prends une essence, tu vois. Par contre, je sais pas si je prends un Atmo ou bien un moteur turbo. Ça, c'est une bonne question. Mais une voiture que j'aimerais vraiment... Enfin, le moteur, il est mythique, c'est Lexus LFA. Ça, c'est un délire, ça. Putain. Frère, ça, d'origine, t'as pas besoin de changer la ligne. Tes voisins, ils portent plein. Trop bien Tesla, wesh, vous êtes fous? Bon, on va dans la gueule de l'eau là. Hein. Tu crois? On verra bien. Hein. C'est le manuel, tu vas pas le donc là on va voir. Non, non, putain, j'ai plus d'essence. Déjà... Bah, je crois que c'était électrique. C'était pas le voir si tu étais. Si tu étais. Toi, t'es toujours toi-même. Pourquoi tu veux que je sois plus moi-même? Je sais pas, je demande. Non, je réfléchis, là. À quoi? Bah... C'est quoi l'autre solution? On n'y retourne pas et tu crois qu'ils vont pas nous convoquer au bout d'un moment dans une affaire de kidnapping? Si, si. Oh là là là! Là 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 là. Putain, y'a une musique à la radio là. Je sais pas qu'est-ce qu'il dit mais. Na, 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 na. Force encore, George, force encore. Vas-y, vas-y, force à fond. Ouais. Vas-y, chante, chante. J'écoute. Même pas de place pour se garer, hein. Gare là. Ah, je fais semblant de boiter un peu encore. Ouais, t'as mal et tout. Okay. Ah ouais, tu ouais. Veux que je te mette un coup de poing histoire d'avoir mal? Non, non, non.
Ah non, c'est un peu tôt. Voilà. On va passer par là, c'est pour les handicapés ici. C'est pour les handicapés. Mais pas, c'est vrai, t'as cru quoi là? Oh là là. Mais c'est quoi ça? Tu sais, je pense savoir c'est qui fait ça. T'as pas croisé un mec en vélo là tout à l'heure? Ah oui. C'est sûr c'est lui, le coup il faisait ça devant le Bahamas. Là il titille les flics là. Bon ben appelle hein. Non mais pourquoi t'appelles pas toi? Parce que toi appelles. Voilà. On va s'asseoir. Ah oui, petite dame. Vous avez mal à la nuque, ma petite dame. Elle se frotte la nuque, la petite dame, elle a mal. Putain, aïe. Va pas que je suis blessé, hein. J'ai fait quoi? M'a poussé, je suis blessé. Ah, tout à l'heure, t'étais pas blessé, hein, la dame. Arrête, t'aimes tout. Va pas que je suis blessé. Je suis blessé, putain, j'ai... Laissez. C'est quoi là? On prend un café, tu veux un café? Une fois j'ai entendu dans les infos, il y en a un qui a volé la machine à café ici. C'est fou hein. Super fort. Tu m'étonnes. Ils font tu quoi les poillasses? Café ou pas? Non ça va, ça va. J'ai pas envie de sentir de la bouche. Et tu sais que quand tu bois du café, ton pipi sent le café après. Allez, arrête. Mais j'ai fait un appel, je vais pas faire ça. Non, non. Non, j'ai pas... Non, je fais pas ça, je fais pas. Je vais faire comme elle. Attendez, hein, je fais un truc. Ouais, heureux. Tiens, je comprends pas, genre des fois... Attends. Allô ? Oui, en fait, je suis avec mon ami, Monsieur Paredes, Santito. À son souci, avant-hier. Bah sinon vous pouvez nous rappeler. Rappelez-moi ce numéro, ouais. Bien, vous pouvez nous rappeler. Merci.
Ok, merci monsieur. Ding, 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 ding. Au revoir. Au revoir. Ils sont pas dispo. Voilà, ok. Ils nous rappelleront. Hein? J'ai entendu quelqu'un. Moi aussi. Quelqu'un? Ah, trop tard là. Y'a quelqu'un? Il est mort. Il est mort, il y a un flic avec un... Un truc... Là si je prends une photo, j'envoie ça au Weasel. Ils sont dans la merde. Il est mort. Va pas jusqu'à là-bas. J'ai pris des photos. Merci, Direct Play. Qui ça? Bon, on va repasser. Ça va super, merci. Bah je sais pas, tu veux faire quoi? Non, il dépose de l'argent en banque. Vas-y. C'est quoi ça? Oh putain, y'a le mec! Quoi? Reste dans la voiture. Aïe! Oh il a ciré la vie de ma... C'est qui ça? En fait, ils sont en train de chasser le mec à vélo. Mais putain, on a la poisse, c'est pas possible. Mais c'est qui celui-là? Un jeune du quartier là, il fout, il est en train de faire chier tout le monde, regarde. Et t'as vu, on a bien fait de monter dans la voiture parce que là on s'aurait pris coup de par le choc. Tu te rends compte? Mais c'est à qui ce 4x4? C'est la LSPD? C'est la LSPD, oui. Mais c'est pour ça qu'ils peuvent pas prendre une déposition parce qu'ils arrivent pas à attraper un mec en vélo. Oui. Oh putain, vas-y, va mettre ton argent. Attends, mais tu te rends compte que là on vient de se sauver la vie là? Oui. Il t'a sauvé la vie. Et hier et avant-hier, je t'ai sauvé la vie aussi. On ah ouais quitte. Tu m'as sauvé la vie? Ouais. 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 Bon, c'est bon, RS, ok, j'y vais. Oh putain, ils arrivent. Oh putain. Ça pour un vélo, je suis mort. Bien. Business. Il y a un truc que je comprends pas toujours. Attends. L'argent est dans le coffre et j'ai l'impression que ça revient dans mon compte. 4 millions. Alors moi je suis pas censé avoir ça, c'est dans le coffre. Je pense que c'est un bug. J'ai déposé l'argent dans le coffre et ça revient dans mon compte, je comprends pas. Bizarre. Oh putain! Mais là par contre, faut faire le constat là, attends. Ouais, oui. Hey! Ma voiture! Circulez, c'est dangereux, circulez! Ma voiture! Quelle votre voiture? Vous avez écrasé ma voiture! J'ai pas touché votre voiture. On a eu un gros coup de caisse arrière là. J'en sais rien moi. Bah vous avez fait marche arrière et ça a fait boum quoi. Ah bon? Excusez-nous. Bah excusez-moi monsieur. Ouais. Vous êtes occupé là? Au revoir.
Bah oui, on est occupé, vous voyez pas qu'on court après un mec à vélo là. On le tase, il bouge. Bah justement, c'est quoi ces conneries là? Vous arrivez pas ou quoi? Je sais pas, il a fait péter deux agents. On vous expliquera un autre jour là, on est un petit peu. Bah, okay. Moi, je Non mais... C'est grave quand même. Ah oui. Bon, moi si on est encore là, l'unicorn, va. J'ai entendu un ouais, allô. Hein? Pas c'est entendu. Je pense pas qu'il y a du monde. Je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Bon, j'appelle. Ouais, Chico. Oh, allô. Y'a plus personne à l'unicorn là? Y'a plus personne, non. Vous êtes où, vous? Là, on est en train de à la plage, on est en train de vendre. Ah, vous vendez à la plage, ok. C'est pas, y'a un truc là, je sais pas, y'a un truc là, parce que là, on trouve personne là. Parce que là, en fait, on avait un rendez-vous avec les Poyos, mais de quoi? Là, y'a rien de spécial pour le coup. Je vois le Silver Sauveur. On avait un rendez-vous avec les Poyos, c'est... mais ils sont. Regarde la plage aussi, regarde la plage, parce que le problème, c'est que là, j'ai un gros problème sur les bras là. Ok, ok. Donc, à tout moment, ça va t'arranger parce qu'il y aura une guerre qui va s'éclater, donc. Vas-y, on se capte plus tard. Comment ça, ça va m'arranger? Bah, parce que si une guerre qui éclate, on va t'acheter des guns. Ah, cool. Encore? Vas-y, carré. Carré, vas-y. Carré. Vas-y, carré, vas-y. Il y a encore une commande qui peut peut-être arriver, là. Tu te rends compte? Ah ouais? Ouais. Et tu sais, si jamais on doit ramener la voiture à Jack aussi, elle est chez nous. Ok. Allez, on va lui faire une petite visite à l'hôpital, tiens. Ouais, viens, on va aller la récupérer. On va aller la récupérer, mais il faut d'abord le voir s'il est là, non? Mais tout à l'heure, j'avais déjà envoyé un message. Appelle-le là. Attends, je l'appelle. Yo, ça va ou quoi? Bon, attends, je vais passer devant pour voir, on va voir. Hein. Ouais, c'est vrai, ça c'est cool. Ouais, salut Jake, si jamais t'es après, dispo, après. On peut te ramener ta voiture. Après, on va faire ça. Vas-y, bon, on va la chercher, on arrive. A tout de suite. Il est à l'hôpital. Ok, bah, allez, on va chercher alors. Ta-ta-da-da. Ta-da-da-da-da-da-da. Jack. Il est sympa quand même. Ah ouais? Bah ouais, quoi, regarde, chaque... c'est déjà la deuxième fois qu'il me prête sa voiture. Ouais, ouais, c'est pas comme si j'avais jamais fait, hein. Après. Non, mais je veux dire, c'était pour nous ramener, tu vois, sinon on aurait été obligé d'en voler une. Ouais, 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 je vois. T'es plus je sympa vois. Que Jack. C'est dans quel ce que sens? Je voulais entendre. Parce que moi, je fais quoi de plus? Tu me prêtes ta voiture. Plus souvent. Plus souvent? Non, mais c'est pas pareil, arrête. Toi, t'es pénible, hein. Arrête. Vas-y, c'est là. J'aurais pas dû faire ça. Aïe! T'es folle ou quoi? C'est très bien que je vais jusqu'au fond quand je rentre. Oui, mais le garage il est là. Je croyais qu'on allait juste récupérer la Mais moi quand je rentre, je vais toujours au fond, tu sais très bien. Ouais, mais c'est là, pas nouveau pour toi. Non mais on part tout de suite, t'avais pas besoin d'y aller.
Ah ok, mais je vais quand même y aller. Putain, j'appuie sur tous les touches en même temps. Attends. Désolé, j'ai mis ce clic. J'appuie sur tous les touches en même temps là. Hey. Le dernier arrivé fait la vaisselle. J'ai un bâtard. Regarde, je vais ralentir, je vais la...
Ouais. C'était sous anesthésie. J'ai les vidéos. Ouais, mais tu sais, les gens. Non, par contre, non, pas de vidéo. Les gens sont anesthésiés. Bâtard. J'ai la vidéo. Hein. Il a dit quoi ? Joyce, t'es belle, Joyce. Joyce, t'es belle, Joyce. Joyce, t'es belle, Joyce. Un ange. Oh. Ah oui, mais j'étais sous anesthésie, du coup, c'était pas moi. Tu sais que les gens sous anesthésie, on appelle ça le sérum de vérité hein, dans le domaine médical. Sérum de vérité. Ouais, parce que les gens sous anesthésie, ils ont tendance à dire beaucoup de choses qu'ils pensent vraiment. Ils disent tout ce qu'ils pensent. Ah bon ? Ouais. Ah ouais. Voilà. LOL. Ah non, là, c'était pas LOL, c'était Love. Hein. Désolé. Bien placé, putain. Ouais. Ouais. Mais bon, ça va aller. Et le moral, Santito, comment ça va? Voilà, encore une absence. 1, 2, 3. Attends. Non, attends, j'ai parlé à quelqu'un, attends. En fait, il arrive pas à faire deux choses en même temps. Ouais, ça arrive. Et toi, t'as fait quoi de beau ce soir? J'ai passé ma licence de pilotage, j'ai eu un milliard de rendez-vous, laisse tomber. Ouais, vraiment, exténué. On manque de personnel, j'ai fait une annonce pour du recrutement. Ils m'ont tous contacté pour le poste d'agent de sécurité, il n'y en a aucun qui m'ont contacté pour le poste de médecin. Mais c'est quoi cette blague? Laisse tomber, quoi. Non, on doit aller au commissariat. Par rapport à votre histoire, là? Ouais. Ok. Ouais, et après, ouais, je dois voir quelqu'un. Eh, t'as changé de lunettes, Santito ? Non. J'ai le même, pourquoi ? T'as changé de lunettes ? Non, c'est pas les mêmes, ça. Si, si. Non, c'est pas les mêmes, Santito. Ouais, c'est pas les mêmes, si. C'est des noirs, ça, là, je sais pas, c'est... Pas les Top Gun. Ouais, elles sont bien celles-là. Ouais, elles lui vont bien. Souvent qu'il y a des absences. Hein. Ah ouais, aujourd'hui, ouais. C'est bizarre. Un petit Vous vous rappelez qu'on a parlé à la faucheuse aussi, non? Oui. Ça passe vraiment des trucs étranges hein, ce soir en ce moment en ville. C'est plus qu'étrange. Ouais. Mais bon. Ça va toi, ça a pas l'air. T'as l'air d'être un peu fatigué. Bah j'ai connu mieux hein. Ça va, bonne soirée monsieur Feng. Bonne soirée. En vrai ça va, vous risquez pas grand chose quoi. La police, vous êtes plus considérés comme victimes, vous n'êtes pas des criminels. Bah oui, heureusement, on espère. Ah oui, vous n'avez jamais été des criminels. Ouais, les vrais courent toujours d'ailleurs. Ah bon ? Comme je dis, les dernières personnes qu'on a vues... C'était qu'on allait à un rendez-vous psychologique pour Madame Jefferson. Ouais, bien sûr, je me rappelle. J'étais là, hein, je te rappelle, Jason. Ah bah oui, au pire, si jamais ils nous demandent, t'es aussi témoin, toi. Ouais. Mais Madame Jefferson, apparemment, elle aussi, elle était... agressée. D'après ce qu'elle a dit à la police. Ah oui. Ok. Bah, on verra, de toute façon, on va laisser la police faire son boulot et on verra bien. Mmh. C'est exactement ce qu'il va falloir laisser faire sur cette affaire. Bah, je pense bien. Qu'est-ce qui prend mon ambulance là ? Je pense qu'ils ont fini. Appelle un coup les policiers pour le voir. Mais ils m'ont dit qu'ils me rappelaient quand ils étaient ok. Mais rappelle, c'est des têtes en l'air. Ouais, attends, je vais appeler le capitaine. Oh putain.
J'appelle le capitaine. Le brancard est resté. Vous êtes où, capitaine? D'accord, parce que là je suis en présence de monsieur Santito Paredes et de madame Joyce Evans qui souhaiterait vous voir. C'est une convocation. Oui, il n'y a pas de problème, mais ok, très bien. Ok, d'accord, très bien. Moi, je le retransmets. Mais je sais pas, apparemment, c'est vous qui l'avez convoqué. Et baissez d'un ton, par contre. Hein. Ok, ok, bah bonne soirée, alors. Ok, ok. Ok, bon, bah écoutez, bonne soirée, alors. Et vous êtes pas convoqué, ils s'en foutent de votre vie. Mot pour mot. Hein. Là, l'Espidier est occupé. Voilà ce qu'il m'a dit. Ok, ok. Il n'y a pas que qui sont occupés, il y a... Bouh ! Comment t'es arrivé ? Pas peur. Je suis là, je vous entends. Hein. Juste que j'envoie des messages. Du coup, t'as entendu ce que je t'ai dit ? Ouais, t'as dit, tu viens de dire que les Poyos, ils n'ont pas rendez-vous pour le moment, ils sont encore occupés. Alors, je te répète ce qu'ils m'ont dit mot pour mot. Vous êtes pas convoqué, ils s'en foutent de votre vie. Et la police est... Voilà, on est d'accord. C'est mot pour mot ce qu'ils m'ont dit. Hein. Voilà, voilà, on est d'accord. Mais nous, on veut les voir justement pour ça. Nous, on n'est pas convoqué, on sait qu'on n'est pas convoqué. Ah oui. Voilà, nous, on veut les voir parce que ça serait con de pas parler de ça, sachant que je me suis tiré dessus, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Un jour, s'il y a une enquête, ils vont se poser la question et vont se dire, mais pourquoi il n'est pas venu ? Il y a un anguille sous roche. Ouais. Mais là, apparemment, ils sont pas déterminés à écouter ta version des faits. Ouais, ils sont plus déterminés à faire le chat et la souris avec un vélo en ville. Je sais pas, il m'a dit qu'apparemment, il est en train de courser un individu très dangereux en ville. Bah, très dangereux, c'est un chico à vélo qui jette des pétards. Ah, juste ça. Putain. Voilà la poésie d'aujourd'hui. Ouais, c'est plus que c'était. Hein. C'est plus que c'était la police. Bon bah écoutez, je vais vous laisser moi. Faites attention à vous, bon courage. Ouais, t'inquiète, on va faire un petit tour, voir si on trouve du monde. Ouais, mais Lincoln, ouais. Il est encore ouvert ou pas, vous savez pas? Non, non, pas encore, mais on va voir le Bahamas, c'est tout, voir. Le Bahamas, il est ouvert? Bah on va voir, on va voir. Hein. Il y a plein Cleveland, je vais voir ce qu'il fait. Je vais boire un verre, je pense. Vas-y, bah si jamais on se recroise tout à l'heure, alors. Ça marche. Bah allez, à toi, ciao, bon merci, courage. Merci, ta voiture... Oui, ma voiture, quoi. Oui, je t'ai donné les clés, elle est garée là-bas. Ah, ok. T'as rien cassé. Elle est en bon état, hein. Voilà. Non, elle est en état, ouais, hein. Ça va, tu okay. Fais quoi de beau, un peu? Super. Merci. Ah, là, je suis dans... Merci. Allez, bonne soirée, je t'en prie. Mais c'est vrai, je suis vraiment... C'est vrai, n'hésitez pas. Ah, t'es avec tes amis, parce que là, on cherche avec qui traîner, des amis. Du coup, si tu fais rien, si on peut venir. Parce qu'on va, il n'y a personne, il n'y a pas... Ok, super. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, on discute un peu. Vas-y, viens. Vas-y, je t'envoie la pause, un garage. Très très loin du comico là, on le son à pont, je t'envoie la pause, tu vois. Ok, vale. Vas-y. Je sais qu'elle garage pas. Du coup, le Bahamas il est ouvert ou pas? Bah là, il y a Cleveland, il va m'envoyer une pause, il m'a dit qu'il était avec des amis dans un petit garage, on va voir. Hein. Si okay. Jamais c'est posé, je t'envoie la vite. Vas-y, la vite. Ok, tu fais comme ça. Vas-y, à tout à l'heure. Rien l'endormi. Exactement. Je réfléchis. Prends un peu de weed, ça va te faire du bien. Prends beaucoup. Je crois qu'il fallait pas que j'en prenne. J'ai changé d'avis, t'inquiète. Prends autant que t'en veux. Ok, j'en prends tout maintenant alors. Je peux fumer dans ta voiture? Ouais, si tu veux. Ouvre la vitre. Non, on va faire un aquarium. Y'a ouais. Déjà le poisson. Toi t'es la grosse morue de l'aquarium. Toi t'es le ton de la voix de l'aquarium. Ah non, ça rentre pas. Ah ok, la morue et le ton. Ça rentre pas un ton dans l'aquarium. Un petit ton. Ils ont sorti un hélicoptère pour le vélo là? Ou je rêve? Et je crois que quand je tire une taffe, ton pot d'échappement aussi il tire une taffe.
Il n'y a pas de pot d'échappement, c'est une électrique. Ah bah oui, je suis con. Ah ça bah là, pour le coup. Et je vois le monde trois fois plus en couleur, là, d'un coup. Normalement, tu te sens légère et tout ton corps est léger. C'est ce qu'il m'a dit. Détendu. Il m'a dit tout ton corps est détendu. Pour les travaux, regarde. Ouais, j'ai vu. Ils utilisent le marteau-piqueur. Ouais. Tu sais ce que c'est un marteau-piqueur ? Ça pique le sol. Ah oui, sans blague. Ça y est, lui aussi, il a un sacré véhicule en vrai. Ouais, il a un sacré véhicule. Et oui, il vend des armes. Bonjour, bonjour. J'ai encore des... Yo, des amis qui vont arriver. Ton garage ici ? Non. Luc Leven. Bon. Écoute, en vrai, j'ai pour projet d'avoir mon petit garage. Pour tu sais quoi. Hein. Et ouais. Je me suis dit, celui-là, il pourrait être pas mal. Je visitais un peu, je me dis, bon, celui-là. Ouais, c'est abandonné, voilà, ça. Bon. Ouais, c'est abandonné. Bah, justement, je vois qu'il y a peut-être un propriétaire. Hein. Faut que je trouve un numéro, peut-être, ou que je vois avec le gouv. Parce que. Oh, mais par qui te croise la hein. place, tu vois. S'il y a un proprio, je. Ouais, faut pas qu'il me. Bon. Attends, c'est écrit quoi là ? Mouloud. 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 Ah oui. Mouloud. Ouais. C'est écrit. Et regarde la. T'as vu la photo là avec tous les gens avec les sportifs là ? Ouais. Eric 7. Souvenir, ça. Je sais pas c'est qui, mais voilà. Ils ont... Ah ouais. Ils ont vraiment ah une sale gueule, hein, putain. Je suis vraiment défoncé. Bonjour. Je que un ils sont légères. Attends, c'est quoi le numéro ? Ouais. Surtout le Mouloud là, regarde sa gueule. Regarde sa mâchoire. Et numéro c'est 2664, tu crois que ça marche encore ? T'es fou. Il a la vieille affiche. Oh bonjour toi. T'es taré. Ça se trouve il est mort. De quoi là ? Bon. Je sais pas. Je vais sauter pour voir si je vole. Non, je vais sauter pour voir si je vole. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Pour me ramasser si je me casse la cheville. T'inquiète. Vas-y, saute. Youhou! Eh ben non! Oh, on a eu la même! Oh, en même temps! On est cinq! Attends, putain! On a fait la même chose! On a fait, eh ben non, en même temps! Pas... Oui! C'est ça! J'étais à deux doigts d'y arriver! Ah non, désolé! Je suis mort! Ah, je suis mort! Putain, on a dit la même truc et tout en même temps! Putain! Non mais j'allais pas. Bah oui, je me suis dit ça se peut, ça va être stylé à voir, tu vois, je sais pas. C'est peut-être un peu haut en fait, hein. En vrai, ouais, peut-être un peu haut. Là. Ouais, Mahone. Voilà, il y a une nouvelle employée et tout. Ouais, ça va, ça se passe bien. Attends, je crois que j'ai le numéro de quelqu'un. Ouais. Et elle est souvent là. Ah non, j'ai pas le numéro de la flic. Ça fait plaisir. Ah, ça c'est bon. C'est bon. Bah moi, pendant une semaine où il y aura le truc RDF, je sais pas quoi, le reste de Fantastique, là, bah comme on va bosser là-bas, je vais laisser la boîte pendant une semaine, ouais. Je vais la laisser se reposer un peu, là, histoire de finaliser les papiers de façon pour la rendre officielle. Et à partir de la semaine prochaine, je vais la refaire tourner. Je vais laisser le Bahamas et le Unicorn de faire leur bise aussi. En attendant. T'as, c'est bien, là, des bons véhicules, mais toi, le problème, Santito, c'est qu'on peut rien faire avec toi. Pourquoi ? Parce que toi, tes véhicules, ils sont tous surpuissants, tu peux prendre... What the fuck. Ouais, c'est... Ouais. C'était dans ma tête, ça, ou vraiment, ça a c'est pété vrai. Ça pète, ça non, tire ça et tout ça a mais pété, Joyce, là. T'as fumé quoi? Ouais. C'est quoi cette voix-là? T'as fumé quoi? Ouais, rien. Hein. T'as fumé du hachis? Non. Non. Elle fume les poils de ses bras. Des plantes. Ah ouais. Oh, t'es dégueulasse. Ah ouais. Ouais, en vrai, ça aurait été un bon endroit, mais regarde ici, il y a un panneau là, enfin un panneau en papier avec écrit peut-être le nom de l'ancien propriétaire, hein, Mouloud, mais numéro, je sais pas s'il est encore bon. Essaye d'appeler pour voir. À mon avis, il est mort, il y a un corbillard là-bas. Attends, je vais essayer d'appeler pour voir. Il y a un corbillard là-bas. Je vais chercher les toilettes à Mouloud alors. Laissez-le tranquille. Attends, je vais essayer d'appeler. Il est mort, t'es con quoi.
Ah, il est mort. Oui, il est mort. T'es sûr que si. Je pense qu'il a choisi de mourir, t'inquiète. Je pense qu'il a choisi de mourir dans son corbillard, dans son garage. Ah oui, merde. Ah ouais, non, il est pas dedans, par contre, mais dis pas ça, frère, sinon moi je bouge d'ici tout de suite. Non, c'est pas possible. Ah, vérifie. Et son esprit. Non, il est pas là, il est pas dedans. Mais arrête, wesh. Mais respecte-le, frère, il est en train de te tuer. Il arrive quoi? Je vais te taper là. T'as eu peur? Mais toi, t'as serré, frère. Putain, je sais pas, ce qu'il y a au-dessus, mais ça glisse. Hein. Faut même pas savoir. Qu'est-ce qu'elle fait, frère? Mais elle est tarée, cette meuf. Ah ouais, mais il y a Viper qui arrive là. Elle fait quoi, elle? Elle est partie dormir avec Mouloud? Ah non, elle est là-bas. Ah ouais. Eh, mais il y a un truc derrière, viens voir. Oh, t'avais fait attention à tout ça? Regarde la longueur en fait derrière là. J'avais pas vu ça. Vous voulez pas aller là-bas parce que j'ai essayé de faire pipi dans le seau là. Ah merde. Bah, t'as un problème toi. Oh, mais laisse. On va se mettre un vilebrequin dans le fiac. Oh non, t'abuses. Regardez pas, elle est folle. Ouais. Ça m'était taré putain, Josh, mais qui se tarde? Qui se prend putain? Et toi, pourquoi tu la regardes? Qui? J'ai déjà vu pire, t'inquiète. Sentinelle. Dans le buisson, il va rien dire. C'est beaucoup trop, il a raison. Là en fait, le seau il reste collé à son cul. Non mais je vais aller chercher un endroit tranquille à l'extérieur. Ouais, exactement, comme d'habitude. Ah ok. Ouais. C'est fou comment les détails, c'est des véhicules propres. C'est mieux fait que les véhicules en eux-mêmes. Regarde, là il fait passer la lampe sur l'échappement. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que j'essaie de faire des choses pour elle. Galéro. Pour nous, on ne se rend pas compte et du coup, ça lui plaît pas. Et comme j'ai une manière de parler un peu trop. Bon, ça, c'est pas. Il a encore vénère, des problèmes avec sa meuf. Bah, il t'arrasse. Bah ouais, mais elle comprend rien, frère. Elle comprend rien, tu vois. Et ouais. Sauf que dans le business, là, j'ai plus de temps à perdre avec des embrouilles de ça. Il y a un truc à faire tourner. Mais là, fais quoi, Joey? Ça me ralentisse. Elle est où? Elle est partie tout là-bas, là-bas, en dessous de... Allez, je la vois là, elle tente de chier, je sais pas ce qu'elle fait. Tu lui as donné un truc qu'il faut pas, c'est ça? Non. Mais elle a pris quoi pour qu'elle soit comme ça? La weed. Ah! Mais elle se démêle, elle va devenir folle. Elle est trop gentille. Elle est déjà folle. Elle va te sauter dessus. Quoi? Ah non! Je sais pas moi. Des fois, les femmes, elles font des trucs hein, quand elles sont complètement craquées. Non, elle est bizarre. Inquiète. T'imagines un jour où elle va devoir braquer quelqu'un? C'est elle, elle a été sur le Twitter. Ah, mais là, Clavel a de nouveau des soucis avec sa meuf. Tu rigoles, mais... Elle est vraiment compliquée. Putain, j'arrête pas d'éternuer. Elle est trop gentille, elle est trop gentille. Bah, quoi, elle est compliquée, faut la larguer, hein, écoute. Bah ouais, voilà, écoute les conseils quelqu'un... de Sandito. Elle est intelligente aussi, tu vois, c'est juste qu'elle est... Et frérot, intelligente, des chicks intelligentes, il y en a beaucoup, hein. Ouais, mais... En fait, t'as qu'à aller chercher une dans une bibliothèque, je sais pas. Il y a des choses qu'elle sait bien faire, tu vois. Autant il y a des choses qu'elle sait bien faire. Mais il y a des choses... C'est incompréhensible. Comme quoi, dis-moi. Comme quoi? Tu veux rigoler? Ouais. Tout à l'heure. Vous voulez des pelles? Début de soirée. Non. Tout à l'heure, début de soirée, je prends le van Mercedes, là, tu vois. Et on se dit, vas-y, on va arnaquer, enfin, on va faire un peu du Uber taxi, tu vois. Et on disait aux gens qui étaient dans la rue, vas-y, montez, c'est $60 ou $100 à course. Et à un moment donné, il y a eu une galère. La police, elle m'a contrôlé et tout. Non, elle leur a pas dit qu'on faisait ça, du coup, c'est passé. Et je dis à Yuki, bon, on va peut-être devoir y aller parce que, et arrêter ça parce qu'on va se faire niquer. Donc, elle a eu $200 des deux mecs qu'on a déposés. Et comme on n'avait pas fini leur course de base, elle me dit, au lieu de qu'on les encule, on se dit vas-y, on s'en fout de ces gens-là, on garde les $200, on se taille. Elle a dit quoi? Elle a dit non. Elle les a appelés et elle a voulu elle va les rembourser l'argent. Elle allait leur donner pour pas avoir de problème. Rembourser l'argent, tu vois. Comment tu veux commencer à gagner de l'argent? Donc tu peux arnaquer. Les gens, ils sont cons, c'est pas de notre faute. Mais je sais pas. Si vous voulez, on rembourser, peut... tu vois. Est-ce que tout le monde a une chaise pliante, ultra pliante? Non, j'ai des chaises en bois. Moi, je vais me poser à la plage, en vrai. Bah, on peut, on va faire. Vas-y. Vous savez ce qu'on va faire? Moi, j'ai envie de me poser à la plage. De l'amour pour Cleven. De quoi?
On va te faire un coaching de l'amour. Mais va là-bas, moi c'est pas ça. Toi tu fais des coachings, toi? Ouais, parce que. Ouais, je voulais faire un coaching. Ah, tu t'y connais, toi? Regarde ses lunettes, frère, on dirait une mouche. Mais elle arrête pas de fumer ton truc là, lâche ça. Mais parce que, tu vois, il a. Ce type, il est en couple depuis 3 semaines et je crois que ça s'est bien passé un jour sur les 3 semaines. Je jure, c'est vrai. Ouais, là, tu l'as pas tort par contre. Hein. Tu vois, à chaque fois. Ouais. Et je vois bien ce que je vois, un mec avec une hache. Ouais, c'est mon ami, vous inquiétez pas, les bûcherons, vous inquiétez pas. Oh putain. Je croyais que j'allais trop fumer. Viper, fais pas peur comme ça, t'es fou. Mais tu vois. Tu vois bien, c'est des amis. T'arrives en mode. N'importe quoi. Ouais, moi je disais, je me posais à la plage en vrai, moi, ici. Ouais. J'avais un peu peur, vous mettez les pieds, c'est pour ça. Non, tranquille, t'inquiète. Voilà. Ok, ok. On va avoir peur, monsieur, hein. On sait jamais, bon. Je vous ai vu courir comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Viper, je te présente Santito. Santito, je te présente Viper. Viper, je te présente la Maloki. La Maloki, je te présente Viper. Joyce. Joyce, pardon. Ah, Santito et Joyce, ben enchanté. Enchanté. Maloki. Voilà. Non, c'est lui qui m'appelle comme ça, il est jaloux. Je peux taper deux. Je suis pas jaloux. Dual Shock. Ah, c'est moi qui l'ai confondu avec mon ami tout à l'heure. Dual Screen. Albatar Dual. Dual Screen. Ouais, c'est pas elle drôle. Elle est pas mal. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous discutez? On parlait de la situation. Ouais, on parlait, mais bon, je pense qu'on peut trouver un meilleur endroit. Ah, ouais, y'a de quoi faire du coup. Pas besoin de débattre. Vous voulez pas qu'on bouge au bois de l'eau? C'est mieux, non? Ouais, ouais, vas-y, ouais. Sentinelle. Vas-y. Craquer les cerveaux, vas-y. Et voilà. Ok. Ah ouais. Vas-y. Non-fumeur ici. Client. Non, on va l'appeler 14 au lieu de 13. Quelle? Oui, il s'appelle 13, lui, de base. Je sais pas, il est pas dans ce pays. Ou peut-être parce que c'était le 13ème enfant adopté de l'orphelinat. Mais arrête de recul. T'es con ou quoi? Je fais une manœuvre, tu recules sur moi? Eh, 13, c'est mon nom de famille, hein, c'est pas un. Ah, c'est pas le 13ème enfant adopté de l'orphelinat, j'avais pensé, moi. Si tu racontes, toi, c'est toi l'adopté, ouais. Je vais l'appeler 14 maintenant, juste pour l'emmerder. Pourquoi il descend? Il est con, quoi? Oui, c'est moi qui fume, c'est lui qui est défoncé. Et que ça pose, ouais. Vas-y, je te suis, vas-y. Vas-y. Essaye. Ah. La gueule. Vas-y, roule. Aïe, coup dur pour 14. T'es arrivé en canon, c'est, il est fou. Je suis sûr qu'il va se planter. Mais moi, le GPS à la plage, là, c'est le bord de l'eau. Yo, Gulli, ça va? Fête foraine. Ça, je t'ai mis fête foraine. Ouais, écoute, bah, c'est bon, vas-y. Ça va ou quoi, Gulli? Je vais pas les doubler, tu vois, je vais les laisser dans le... Mais un jour qu'on fera... Pour le... Mais un jour qu'on fera une course, t'inquiète pas, je vais... Là, je vais... T'inquiète pas. On va dire que j'étais en mode déco, ok? D'ailleurs, moi j'ai pris le truc pour faire la course, mais tout le monde sait que je suis incapable de gagner. Mais c'est ça, moi j'ai pas compris, toi tu fais la course, tu sais même pas conduire. C'est vrai. J'ai jamais vu ça. Mais peut-être que si je fume, eh ben je vais gagner. Parce que j'aurais peur de rien. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Ah, j'ai bien aimé. Quoi? Oh, c'était stylé, là. Petite conduite sympa, sans accident. Oh, j'étais en mode déco. Ouais, et puis moi, j'étais en sous-consommation. Ouais, avec une biture boîte atmosphérique. T'as vu? Il y a un truc qui a changé là, frère. Pourquoi le sable il est comme ça? Je comprends pas. Sympa, hein. Ouais, de ouf. Non, c'est bien, maintenant on a un groupe de 4 Dodge là. C'est putain, je crois que j'ai pas mon pack. Donc, on va faire le groupe de parole pour attends, 14. Je comprends pas un truc là. Là-bas, pas besoin de ça. Si, j'ai mon pack pourtant. Mais c'est quoi ce graphisme? Je suis choqué là, attends. Je vais mettre mon chemise. C'est pas mon graphisme, ça, frère. Attends. Avec ta tête là. Mais oui, j'ai pas mon pack. J'irais une momie. Mon pack s'est enlevé.
J'ai même pas remarqué mon pack. J'ai plus mon pack graphique. Je me dis, c'est quoi ce graphisme? Regarde le sable comment il est. Vous voyez? Attends. Comment on fait encore pour ouvrir mon menu là? Non, en fait, attends. Attends, je comprends pas là. Attends. Je comprends pas là. Tout à l'heure, je voyais blanc dans l'hôpital. Mais d'accord. Normalement, quand j'ai ça, c'est à cause de mon parc. Et là, l'eau ressemble à mon parc graphique. En fait, il me manque le ENB. Mais c'est pas grave, hein. Je viens de remarquer là, putain. En vrai, je pense que je vais pas tarder parce que là, j'ai plus trop grand chose à faire. Demain, on va voir. Pas de vivre tout ce que je vis. T'as pas été gâté pour la nature. Ah ouais? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Je suis malade, je suis allé au Mont Chilia dans des bardeurs. Attends. Ah merde, t'es vraiment conne parce qu'il fait moins 10 là-haut. Ouais, John. Eh, si tu parles comme ça à ta meuf, c'est normal qu'elle te kiffe pas. Hein. Tu posais avec des. Eh, si tu m'aimes pas comme je suis, et eh bah ben, comme je dis, nique ta race. Ouais, John. Ah, je vais lui dire putain quand la je la vois. Si tu veux. Vas-y. Vas-y. Attends, je crois que toi, t'as pas compris. Viens, Lala, viens. Eh, mais pourquoi tu me portes, ouais. Toi? Oh là là. Regarde ça, regarde. Elle va le taper, regarde. Regarde. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, regarde. Ouais, là, c'est pas mon graphisme. Là. Salut. Je me dis bien que le soleil, c'était pas mon soleil et tout. L'équipe. Alors, c'est un petit tour, tu veux petit barbec? Hein? Bah, allez, va. Merci Kiloraz, merci frérot. Sentito, il m'entend pas ou quoi? Ouais, je crois. Ouais, je sais. Si, pas. Je t'entends, je te réponds. Bah, je t'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es blanc. Ah. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Non, j'ai dit, j'apprécie la plage. Ah. Mais là, je remarque mon parc graphique, c'est pas ça là, putain. Oh, il y a déjà plus de clients. T'es vraiment un assassin, t'as essayé de me noyer. Mais frappe-le. Si j'aurais fait ça, elle m'aurait défoncé. Ouais, c'est vrai. Aïe. Là-bas. Aïe. Pourquoi tu me c'est qui ça? Ah non, ça va. Oh merde. Mais ah, c'est vrai qu'on n'a pas la même poil. Ah, t'es un peu malade, c'est pour ça. Non. Allez, Jess. Mais t'es moi. Matria, tu veux venir à Ah, ok. Vas-y, assis-toi. T'as besoin d'un chaise ou un matelas? Vas-y, j'arrive, je vais faire un truc, j'arrive. Vas-y, tu veux un matelas? Vas-y, je pense que je vais arrêter mon live. Mon graphisme, il me dégoûte là, les gars. Désolé, hein, putain. En fait, là, je remarque, mais en ville, je remarquais pas. On va s'arrêter là-dessus parce que là, c'est monotone, tu vois. J'ai pas envie que mon live se termine sur une scène monotone. Ça, c'est des trucs que je préfère faire en live. Les scènes. Papotage, sans rien. Y a plus trop des trucs importants, mais là putain la scène, la plus belle scène pour l'instant j'ai eu là putain, c'est avec les families là, putain j'ai kiffé. On se croirait vraiment au quartier. Je vais remettre la musique du début là, le pirate. Attends. Ouais, je préfère faire ça, c'est mieux. La musique des pirates. Je kiffe trop cette musique. Et Fiona m'a fait regarder Pirates des Caraïbes. Et j'ai entendu la musique là, du coup, voilà. Et en plus de ça, l'unicorne, on dit que c'est le repère des pirates en jeu. Et Santito, c'est un peu comme un pirate parce que il fait des trucs, tu vois, il fait des trucs pas très bien et il vend des trucs, il fait de la marchandise et tout. C'est un genre de pirate, tu vois. Participe à des meurtres, des trucs du genre. Donc ça le correspond bien, un pirate.
Ouais, j'ai dit c'est toi qui m'as montré ça là. Je kiffe la musique, je kiffe.